Et oui. Et me voilà. On commence ce stream calmement, avec une belle photo de moi avec 60 kilos en plus. Hop, je la mets là, parce que je veux de la neige. Je veux de la superbe. Tiens, je me mets dans le coin. Tiens. Hop. Voilà, comme ça. Je veux absolument de la neige, mon gars, j'en ai ras le cul du vent. Enfin, déjà, bonsoir. Parce que je vous engueule tout de suite, mais bon, vous n'êtes pas là pour ça. Donc, salut funérailles, salut Rome tout, salut Yadar, salut Urso, salut Dwili. Bon anniversaire Dwili, t'es le meilleur. J'en ai un peu marre de ces tempêtes. Hein, j'ai passé un super week-end, sauf à la tempête. Donc, je veux absolument de la neige. Et je crois qu'en plus, dans Metro Last Light, il n'y en a pas. Donc, comme ça, je suis bien parti. Hein. Donc, on va tout de suite lancer le jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas streamé, ça fait 2 semaines. Enfin, un peu, genre, j'ai pas streamé la semaine dernière. Parce que j'avais un rancière à la Saint-Valentin. Et et en plus, je me suis pété la guibole. Je vous jure, je me suis pété la guibole la semaine dernière. Mardi dernier. Je me suis pété la cheville. Avec un peu de chance, Et putain, ça les pique nôtres de en ouf. Bon, là, ça attendront va la mieux. proposition de J'ai plus besoin Mélissa. de béquilles. J'ai juste un bandage à la patte. Mais putain, mec. Bon, on était où? Ouais, on était sortis des cocos, je crois. Non, de la station. Oh putain, il n'y a pas de neige. Faites chier avec votre pluie et vos tempêtes. Oh là, oh, je m'en souviens ici, il faut traverser un moment. Pff, voilà, bon allez. Hop, tac, tac, tac. On commence direct, même pas en un temps. Hop. Je vais aller par là, tiens. J'ai eu peur, j'ai eu super peur. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Oui, j'avais oublié qu'Adium. Artium ne savait pas nager. Franchement, pourquoi j'ai dit Adium? D'accord, donc apparemment, je me suis téléporté. Apparemment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que c'est n'importe quoi. Oh merde, il y a des bébêtes. Putain, ça commence tout de suite dans mon cul, quoi. Même pas, je te mets un peu de vaseline. Non, non, c'est tout de suite. Ok. C'est quoi ce bruit d'aile que j'entends? J'aime pas bien ça, moi. Super 4. Ah yes, le meilleur jeu. Et eh ben, je suis bien, je suis semi bien d'accord avec toi. Oh, il y a des filtres. Ça, c'est bon. Yes, ça se casse pas pété. Ça, c'est bien aussi. Prends ça. Ok. Donc, B4, tu viens de nous perdre un grand moment de téléportation. Qu'est-ce que. Oui, voilà. Va peut-être suffire. Ah, il faut de l'essence pour la machine. Qu'est-ce que c'est? C'est vide? Ah, c'est plein ça. Salut Spidou! Ça ou quoi? Ah non, c'est vide. C'est vide aussi, putain de pays de merde. Ça je prends. Tout ça je prends. Si on commence à me proposer des armes, c'est pas bon ça. Hein. J'espère que ça fait chier pour ma gueule dans pas longtemps. Bah en gros, si tu veux... Attends, y'a pas moyen de... Attends! Ah. Vas-y, vas-y Artium. Voilà, remonte. Mon dieu, je ne sais pas nager. Voilà. Bon, moi je suis de l'autre côté. Si tu veux, j'étais... Oh, putain, je suis paumé. Attends. Je viens de là. Donc, j'ai dû passer par là si j'étais. J'aime pas ces bruits. Qu'est-ce qu'on a ici? Un masque pété. Ça a de la thune et des munitions. Attends, je t'explique ça tout. J'en ai rien à foutre, j'en ai plein. Hein. Je suis bloqué. Voilà, c'est bon. En gros, je suis arrivé ici.
Ouais, et je me suis téléporté là-bas en fait. Attends, bah, attends, je vais essayer de le refaire. Évidemment, je ne peux pas le re... Ah, putain de salope de ta mère. Hop, tic-tac. Ouh, y'en a un peu. Ouh, y'en a plus. Aïe, aïe, aïe. T'es croisé. Tireré. Oh, y'en a plein. Comment je rentre chez moi, j'ai compris. Tiens, c'est vous. Aïe, aïe. Pire mob du jeu, je suis bien d'accord. Mais il meurt quand ces cons là? Ah c'est bon, il y en a un. Aïe aïe aïe. Ha! Tiens! J'ai pas volé celle-là. Et mon gars? Fils de pute! Allez. Allez, allez, allez. On se concentre. Oh! Viens, 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 viens. Tiens ta gueule. Oui, attends. Attends, j'arrive. Voilà. Viens ici, viens ici. Saloperie, là. Eh ben, je ne suis pas de tourpo. Je ne suis pas de tourpo. Oh. Ah non hein. Il y a un moment où il faut que ça cesse. Crevette des enfers. Bah, bref, en gros je suis tombé dans l'eau là-bas, je suis arrivé ici. Voilà. Putain Becca, si t'avais pas posé la question, il n'y aurait pas eu ce problème. Super. On peut dire merci à Becca, hein, les gars. Cul hein. La violence du mec. Aïe, qu'est-ce qui... Ah. C'est qui tape? Ouais, ça c'est bon. Tiens. Culé. On se demande pourquoi je peux pas blairer. Bah, si, les crevettes, c'est bon. Les scampi. Mec, les scampi au curry. Oh, ma zette. Comment ça déboîte? Je peux pas te laisser lire ça, B4. Je suis désolé, les scampi au crevettes. Les scampi. Les grands bras, c'est bon les grands bras. Les moules, c'est bon aussi ça les moules. Hop. Y'a pas une seule caisse que je peux ouvrir. Fous de ma gueule. Oui. Excuse-moi de m'intéresser. Ah. Et bon. T'en fous hein. Tu te fatigueras avant moi. C'est pour Bibi. Ça aussi. Voilà. Masque tout neuf. Et ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Y'a rien? Ah si, j'ai pas de l'essence quoi. Viens, 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 viens. Non, 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 reviens. J'ai dit reviens, j'ai dit reviens, j'ai dit reviens. Ouh. Ah bah tiens. Bonjour monsieur, merci pour votre bon cœur. Bah, il est où en fait le... Je le trouve pas. C'est bidincle. Je crois que t'es au moment des titano-crevettes de l'enfer, ouais, ouais. Salope. Pire passage, ouais. Ouais, dans mes souvenirs, j'aimais pas. Ok, c'est là. Qu'est-ce qu'il... Endurance. Oh, il y en a une qui se planque là-bas.
t'ai pas vu toi non plus. T'as pris. C'est. Ouh. 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 Franchement, on peut. M'en fous, j'ai une cabane. Ouais, c'est le Redux. C'est le Redux. Non, c'est chez moi. Tu trouves un abri si t'as envie de trouver un abri. C'est vrai que c'est le pire passage, mais c'est clairement pas le passage le plus. Hein? Mais c'est clairement un passage qui vide tes chargeurs. Ah ouais, surtout que là je suis en mode de difficulté pas maximale, mais. Je crois que je suis une difficulté en dessous du niveau maximum. Viens ici, viens ici, viens ici. M'en fous, hein? Non, je m'en fous pas. Putain, mais je fais du bruit. Viens ici. Aïe, ah, mais il pique de ouf! Putain, ça se fait trop pas. Et je peux pas voir combien de balles il me reste. Bah une. C'est quoi l'autre? Ah. Bah là on est communément dans la merde hein. Non? Je sais pas, je m'en rends pas bien compte. Eh merde. Camion, comme tard, je vais dans le camtar. Il est fermé. Putain, il est clairement pas libre Marx quoi. Et j'ai pas dit libre Marx. C'est chiant de dire Marx. Ah non, ça va. Monsieur, merci. Oh là là. Bon, on a récupéré un peu de munitions, mais ça reste pas ça quoi. Très, très bien. Je me souvenais pas qu'il y avait un démon, bah moi non plus. Je crois qu'on a tous décidé de l'oublier. Ah c'est là. Hop. On met la boubou dans la tétaille. Vous pouvez pas faire un petit truc discret genre un moteur électrique? Franchement ça fait aucun bruit un moteur électrique. Bah ça fait un petit. Mais rien de. Oh oh oh. Yes. Pour économiser les munitions, tirer en rafale. Oh putain. Allez. Ils sont où? Ils se cassent. M'en fous. Mec, j'ai eu peur d'un mini démon. Mec, les crevettes qui te balancent des trucs à la gueule, ça me casse les couilles. Aïe! Ils font trop mal en plus. Bon, j'ai pris deux dosettes. Ça va être chaud. J'ai plus de munitions. Tiens. Oui, où le. Putain, il est encore super. Putain, ah, donc maintenant ça va être de l'esquive. C'est quoi? C'est tapé encore? Bah, c'est ça. C'est bon. Hop. Ça va être pure esquive parce que. Il fait métro Exodus en Ranger et putain, c'est de la merde. Premier run du jeu, j'en chie. Bah là, c'est en Ranger aussi. Et comme tu peux le voir, je suis littéralement juste en train de courir en rond. Pour le temps que la plateforme arrive parce que c'est la merde. T'as pas des clémoires? Ah si, tiens. Ah oui, je suis con. Tiens, mange. Pourquoi ça prend du temps? Ah! Plein la gueule. Et c'est long là. Aïe. Ah, je fous. Tiens, tac. Tac. Et hop. Tac. Bim.
pour réactiver Emir. Oh, c'est pas prévu ça. C'est la maman. Oh. Vas-y, avance, 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 on va se barrer. Bah. Ah non, bah, c'est juste une baston entre le elle et... D'accord. Donc tu vas me dire, Binocle, que tu ne te souvenais absolument pas de ça. Aïe, aïe. Qui c'est qui tape? Allez. Merci, démon. Il y a les pets foot de Clément. Yes, les pets foot de Clément. Putain, mais c'était ridicule, quoi. Putain, il y a des Clément dans le jeu. Bah, apparemment, putain, ça va être long. Va falloir encore survivre. J'ai plus rien pour survivre, moi. Pas une caisse de munitions sur le appui. Évidemment. C'est bien ma veine. Il a fait trois fois, je savais même pas. Eh bien non, je m'en souvenais pas. Étonnant, mais je joue au mode petite pute clash. J'ai fait beaucoup de bruit. Alors, il fait une blague politique, mais non, finalement, non. Si les nôtres sont vraiment dans l'église, je les retrouverai bientôt. Oh, ça me rappelle... Eh, mec. Ça me rappelle Titanic. Eh, oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quel des trucs tu préfères? Ouf. Alors je dirais le Metro 2033, Metro Exodus, Metro Last Light. Mais les trois, c'est-à-dire que Metro Last Light il a 19, enfin il a 17, Metro Exodus a 19 et... Non, en fait je sais pas. J'hésite entre Metro Exodus et Last Light, inversement. Je saurais pas te dire. Franchement, je saurais pas te dire. Et ben pour un gros péteux, franchement, j'en suis pas trop mal sorti. Petit péteux. Et merde. Ça va chier pour ma gueule. Mais j'ai rien pour les battre. Donc je vais chercher des munitions, des armes, des flics. Je sais plus comment on coupe. Ah, c'est là. C'est moi qui l'active ou c'est moi qui l'ai coupé? Merde. Je vais étouffer. Ouais. Pour moi, j'aime bien Exodus. Ouais, Exodus, il est bien. Il reste très présent. L'histoire est très très cool. Et surtout, je trouve. Oh, ça, c'est bon ça. Peut-être pas les mettre maintenant parce que bon il fait jour, mais ouais y a beaucoup de trucs qui me cassent les couilles évidemment, for example nager, enfin non je veux dire ramer, le ramage et cassez-vous les losers. Okay. Parce que combien de temps de... Il me reste 5 minutes de... Oh là, ça va être chaud de les finir là, les 5 minutes. Pourquoi je suis en train de... Ah, parce qu'il y a des radiations de ouf, en fait. D'accord. C'était long pour ça. Mais je vais claquer, hein. Exodus, la fin est tellement ouf. Ouais, mais que la fin... Bah, de toute façon, je l'ai fait en stream, hein, Exodus. Hein, et j'ai chialé, et vous le savez très bien que j'ai chialé à la fin. Une deuxième, alors que c'était ma deuxième partie, mais la première partie, mais que j'ai chialé, laisse tomber. Mais... Attends. Bon, maintenant, il y a prescription, mais Melnik qui crève, attends. Mais Melnik, il meurt. Il y a des moments où ça peut pas... Non, tu vois. Fait en stream aussi, j'ai chialé, bah tu vois. Mais ta gueule, funé. Ah merde. Ah merde, je l'ai pas compris. Je pensais qu'il avait fait, il avait dit chute pour les autres. Oh, je suis désolé, funé. Non, t'inquiète, y'a aucun souci. Hein. Franchement, tout le monde s'en sort impec. Je suis désolé.
Mec. Eh les gars, le jeu est sorti à 3 piges. 2 puis 1. Ah non, là, il est passé. Ah mais c'est chaud là. Ah ben voilà. Popo le mongolo. Eh c'est bon, ça va, on peut faire... Putain, on peut pas faire d'erreur avec vous. Je suis désolé. Fini. Et binocle. Mais Poléon. J'avais entendu ça. Mais mec, je suis tellement désolé, mec. Chier. Après, il y a des parties du scénario. Je t'ai pas dit comment il mourait. Ah, et là, tu vas être sur le cul. Parce que franchement, PTDR, je suis mort. Je suis désolé. Très bien, donc je vais vous... ça va être compliqué. Quoi du lit? Ça va vraiment être très compliqué. Ah, ça va vraiment être très compliqué. Tout, je suis paumé. Je suis pas au max. Ouais les gars, souhaitez bon anniversaire d'Uli. Parce que déjà c'est une personne fort agréable. Et puis il le mérite. Et c'est une personne forte de café hein. Il est beau, il sent bon et ça c'est bien. Et ça en plus c'est vrai mec. Vous savez que j'ai une photo de Dooley en costume sur mon PC. Jaloux. Je vais claquer mec. Oh là. Il spawn pas Exodus comme un abruti. J'ai pas fait exprès, je pense. J'avais mal compris. Et merde. Moi je spoil rien. Je suis pas là. Et merde. Tiens ta gueule. Et... Ça va être... Ça va être sport qu'il fallait les gars. Oh putain. Oh putain. Attends. Tech. Tiens. Mange. Ouf. Oh le strike. Eh. Ah. Il y a Céline Dion qui est sortie, apparemment. C'est Céline. Bim. Dans le camion. Ah oui. Petit insigne stalker que je n'avais rien vu. Munitions, ouais, des grenades et des clémores. Bon, c'est toujours utile, mais je t'avouerai que là, je sais même pas combien il me reste en tout. Voilà, il me reste 6 balles. Il y a des balles, hein. Ouais, il y a 7 balles. Quoi. Ah, c'est toujours. Allez, quoi. Un mec buté, enfin, un nosaliste. Il y a maman qui est pas contente. Posez tous aux limites. Tabarnak. Tiens là-bas. Les trucs là. Oh, ouais, y a des trucs. Par exemple, ça. Toi t'as rien, fils de pute. Aucun effort pour la cause. Oh yes, c'est un supermarché avec des escalators et tout, je kiffe. Y'a un truc qui est passé, je suis pas fou. Je suis complètement dingue. Ça se peut, hein. Je suis pas fou, hein. Chez moi, monsieur. Yes, on a refait le plein. Dans les chiottes, t'as toujours quelque chose, mec. Y'a toujours quelque chose dans les chiottes. Mais Beckett, je suis vraiment désolé. J'espère que tu m'en veux pas. Si tu veux, je te ferai un des DLC du jeu pour me faire pardonner. Hop.
Il est bien. Vous avez entendu? Vous avez entendu le petit... moi je t'en veux. J'ai fini. Enfin, c'est bien le karma. Ah, vous voyez, vous avez vu, je suis pas fou. Mais il n'y a pas d'issue ici. Ce serait donc mes yeux qui me jouent des tours. Mais je les ai pas fait, DLC. D'ailleurs, si vous me spoilez les DLC, moi je vous parle plus. Hein. Non, mais moi on va être clair. Hein. Vous me spoilez les DLC, je vous parle plus non plus parce que je les ai toujours pas fait. Et je compte. Ouais, putain, je refais la même merde. Putain, fais chier. Bon. Cette fois-ci. Napoléon. Je dépense des balles pour rien. Ça j'aime bien faire. Hop. Voilà, bah, la preuve j'ai plus. J'ai même pas un chargeur. Bon, on récap. On en coupe un. Voilà. On en coupe deux. Hop, j'ai piqué un truc, je crois que c'est des balles. Je viens complètement malade. Ça, c'est pour Bibi. D'ailleurs. Oh non, c'est rien en fait. Je pensais que c'était des munitions, mais non. Pourquoi ça fait un blop blop blop? Hop, des munitions. Une calache à la Kadhafi, j'ai envie de dire. Ce qui fait que, à mon avis, je dois avoir quelques balles. Popo, faut ouvrir les yeux. Mais je crois que je l'avais fait. Mais non, c'est bon, je suis pas fou. Je suis pas complètement dingue. Mais je sais, c'est mon problème. Je vais toujours trop vite. C'est ce que dit mon zec. Je t'emmerde. Vous avez vu, je fais les balles avant que vous le disiez. Putain, j'ai du mal ce soir. Voilà, ça c'est le pied, c'est parce que j'ai mal au pied. Oui, voilà, faut tout mettre sur la faute de mon pied. Parce que j'ai mal à la patte. C'est lui, comment ça c'est? Non, c'est pas moi. Hein. Non, non. C'est pas moi. Attends. Ah, je me suis niqué. Ouh là, il y a des caisses pleines de munitions, ça pue du huc, mais genre violent. Tu parles combien, je vais devoir me taper avec la mère tape dure là. Regarde. Hop. J'aime pas Walking Dead, enfin j'aime pas Telltale, donc vas-y, spoil. Je t'attends. Non, je m'en fous un peu. Par contre, je crois que Spider, si tu lui spoil, je crois qu'il te déglingue la gueule. Bien dommage alors, ouais. Oh bah tiens. Allez mon gars, viens par ici. Allez, dépêche-toi. T'as pas volé celle-là. Hop. Allez, allez. Putain, j'ai oublié que je joue pas une sergent signe. Ah, t'as pas mal. Ah, comment c'est chaud! Tiens. Le mec il allume et jette une grenade à une main en moins de temps qu'il faut pour le dire. Tiens, ça c'est pour ses cadeaux. Et merde, putain! Tiens! La peste est sonnée! Ha! Sonné hein! Ouais, un petit tic-tac. Bijou la crivée. Ah merde, mon oxygène. Ça va être chaud. Ah ouais, mais là c'est... mais c'est...
J'ai plus rien en fait. Aide-moi ! C'est ce gros ! Il masse quoi ? Ça ? Et ça ? Et viens ! Tiens, hop ! Vas-y, viens ! Et allez, viens. Il arrive. Regarde l'eau. Il vient par ici. Allez. Allez, viens. C'est bon. Et on se marre. On va les tirs. Mais j'ai plus rien. Là, j'ai... Si, j'ai 10 couteaux de lancer. Allez, viens. Oh, mais non. Oh, mais j'avais pas vu. J'ai encore plein de munitions. C'est bon. Papa. C'est plutôt comme un vrai mec. Bah, viens. Ouais. On l'a eu. Oh, putain, mec, il lui manquait qu'une balle. Oh, je te tue, bye. Merde. C'est toujours comme ça à la surface. Non. C'est la première fois que je vois une bête pareille. Allez, remets-moi le bout de bois. Je suis pas hyper à l'aise. Allez, on va vous faire presser. L'ambiance est stylée, quand même. T'es une armée à toi tout seul. Et ouais. Faudrait qu'on peut les reconnaître là, les gars. Allez, qui c'est? Non, c'est personne. C'est juste des spartiates au hasard. Entre. Ouais, on les connaît pas. Y'a pas Sam, y'a pas les autres. Sam, c'est le seul dont je me souviens. Je t'ai repéré quand t'étais tout là-bas. J'ai failli te tuer aussi. Ça t'aurait appris à répondre aux messages radio. Mais je. Vas-y, rajoute un petit enculé. J'ai senti que c'était toi. J'espère que tu me pardonneras pour les jardins. Absolument pas. J'ignore pourquoi. Mais j'ai. On sort un petit coucou en direct du taf, soit je débauche beaucoup trop tard pour commencer, soit j'embauche bien trop tôt pour pouvoir finir. Oh. Du coup, tu fais quoi, Asphol? Azéphol, comme on dit, Azéphol. Je te prenais pas au sérieux avant, mais Hunter, il a su te lire dès le départ, et t'a fait confiance. Il m'a fallu plus de temps. Je comprenais pas jusqu'à ce que je te vois à l'action, et j'ai failli te faire tuer. Tu me facilites pas la tâche, Artyom. J'arrête pour l'instant. Allez, prépare-toi. Les gars vont bientôt arriver et on va tous partir pour Oktyabrskaya. Oktyabrskaya. Allez, en route. Bon, il y a son... J'adore cette guitare. Alors, hop, je pique les munitions qui se voient à moi. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Salut. Qu'est-ce que c'est? Du cul. Ah, des munitions, je me disais bien. Je vais pas dire que je suis blindé, mais franchement, je m'en sors pas trop mal. Au fait, un marchand d'armes ambulant s'est arrêté ici pour. Comme par hasard. Tu pourrais jeter un œil à sa marchandise. Mec, j'ai pas tellement de piqué. Aider un vieillard à survivre en s'étant troublé. Acheter des armes. Alors, quoi de neuf? L'équipe de Stoker arrive. Échanger. Elle devrait être là dans moins d'une. Oh. Super. Elle est trop bien. Au début de la seconde guerre, fusil d'assaut était préféré de l'armée. Depuis, il est extrêmement recherché dans le métro en raison de ses performances exceptionnelles. Tu m'étonnes. Sadia, quoi de neuf à l'antenne? Comment va la situation internationale? C'est incroyable. Pendant 10 ans, on a eu des parasites. Et le mois dernier, j'ai eu Saint-Pétersbourg. Et ils savent qu'on existe. Quelqu'un est allé là-bas 30. En avion dans un petit coucou. Ça a fait un de ces tapages. On le savait déjà. Et qu'est-ce que tu sais sur New York et sur Londres? Ah, fais chier. Je sais rien sur Londres. Mais il y a une ville au nord. Polyarnisori. Il y a une centrale nucléaire. Des gens ont survécu là-bas. Je leur ai parlé. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Mais je vais... Attends, je vais vendre. Je peux pas vendre grand-chose. Si, je vais vendre les munitions que j'utilise pas. Genre ça. Ça, je n'utilise pas. Ça, j'utilise pas non plus. Et ça non plus. Ça, par contre, mec... J'ai évité d'acheter trop de munitions, voire éviter tout court d'en acheter. Voilà, bon déjà j'ai plus de munitions. Si vous avez besoin de munitions ou autre, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je suis régleur sur machine, équipe alternée. Eh B.
Bon, je reste jusqu'à demain. Alors si vous avez besoin de quelque chose, je peux pas te demander de lunettes, mais c'est déjà ça quoi. T'es déjà allé dans les catacombes ? Une fois. C'est des catacombes vraiment très anciennes. Je sais pas quand elles reviennent. Je suis chaud, moi. On y va quoi ? Elles ont même survécu aux bombes atomiques. Des gens de l'église. Ah oui, c'était flippant les catacombes. Ils ont. Tu manges quoi ? Disparu. Tu manges absolument rien. Ils auraient pu aller dans les tunnels du métro ou... Tu manges absolument rien, je t'ai cramé. Hein. Les gens racontent des trucs en fait. Tu parles de... Ah, c'est une église protestante. Qui ça peut bien être ? Ah, vous êtes rapide. Vérifiez. Au cas où. Mot de passe. Ouais, combien que c'est Yann ? C'est plus ça. Je connais cette voix. Merde. Je la resitue pas. Une petite minute. Ce serait pas... Lesnitsky ? Ah ! C'est qui Lesnitsky ? Bon, je vais déjà vous laisser ce soir avec un beau spoil sous les bras, je suis vraiment désolé. Bisous Binocle, merci d'être passé, ça fait plaisir. Oh putain, c'est les cocos qui me cassent les couilles. Espèce de sale traître ! Anna, quelle bonne surprise. Je ne suis pas un traître. Je n'ai jamais travaillé pour vous. On va embarquer celle-là. C'est ça. Allez. Non. C'est pas la fin le plus importante, c'est la façon dont on y arrive. Comme disait Pierre Le Coubertin, c'est bien vrai. Alors, on va piquer les munitions. Hop. Absolument aucune munition, c'est génial. Alors. Allez, on va se battre. Putain, carnage. Putain, ils ont buté tous les spartiens. Ah non, ça c'est les commerçants. C'était les rouges. Le prêtre avec nos uniformes. Ah non, non. Hein, c'est des gars, c'est les Spartiates, les mecs ils ont buté tous les Spartiates. Ils ont enculé. Il y a aucune munition, c'est incroyable ça. En fait, ah, bon, moi j'ai récupéré deux balles de fusil à pompe. C'est des lanceaux. Ah, lui il a du stuff. Qu'est-ce que t'as ? De la merde, mais bon, t'as les munitions. Tu vas avoir quoi ? Aux alentours d'une centaine de balles, maintenant ? Je dirais une quinzaine de briques. Au bas mot. C'est le jeu, c'est un des films que... Ouh. Ah non, c'est juste des radiations qui me niquent le cerveau. Ok. C'est un film avec Bourville où en gros ils sont sur le point de perdre leur maison et tout, ils ont plus de meubles, ils vivent dans la misère, etc. Et pour venir aller en aide à sa famille, il pique, tu sais, la monnaie dans les urnes à l'église. Et genre c'est hyper drôle et à la fin genre il est blindé, il est pété. Je vous jure, voilà, je vous ai pas tué. C'est pas hyper rassurant comme ambi. J'ai vu mieux. J'ai vu mieux. Je peux remettre ma lumière ou pas ? Eh merde, non, elle est pétée. Ah ! Là, c'est la galère. Ah, yes, ma lampe qui revient. Oh, le vieux système tout pété, mec. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Je vais devoir tirer sur les murs, ça me dit quelque chose, ça.
Qui c'est qui joue du didgeridoo? Aïe, c'est toi. M'en fous, moi. Tiens. Aïe, ascenseur soviétique. Hop. Tic-tac. On va spin dosette, ça va être chaud. C'est agressif, ces bêtes. Il n'y a aucune négociation. Aïe 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 aïe. Tiens. Oh, c'est beau en bas. Allez. Petite infiltration là, ça fait longtemps. J'aime bien les infiltrations. C'est calme. Hop, je sais pas si vous entendez, mais j'ai des caisses depuis tout à l'heure. Je suis au taco ce midi, c'est vraiment dégueulasse. Je crois que j'y vais plus jamais. Tiens. Donc vision nocturne, c'est ça, je crois. Attends. Voilà, c'est ça. Hop. Utiliser ça du coup pour le moment. Ah, c'est un peu de la merde pour le moment. C'est dans. Allez, Metro Exodus que t'obtiens genre la vision nocturne hyper rapidement. Parce que je crois que tu l'obtiens quasiment dès le début, parce que à la fin du premier arc, si tu veux. Tu l'as déjà, je crois, dans Exodus. Et j'ai utilisé super souvent. Ouais, ça me fait beaucoup, quand même. Oui, ça vient de quoi, les Nosalis? C'est pas des chiens, quand même. Est-ce que le métro de toi qui a lieu? Oui, parce que métro 2023, c'est qu'au lieu du jeu que tu l'as. Ouais. Ouais, c'est une amélioration, mais c'est une amélioration que tu trouves quand même. Dans mes souvenirs. Et merde. On va voir encore des gens qui sont morts. Je vois des gens qui sont morts. Ah, des carreaux d'arbalète. Lumière. Ah, des médocs. Un croisement entre le castor et la mouche. Hop. On peut pas allumer là. Et là, on peut allumer. Oh là là, mais non! Mais non, mais non. Si comme ça, ça va pas pouvoir commencer, hein. Si ça commence comme ça, faut que ça suffise. Très bien, un feu sans feu. Alors, infidèle. Merde. J'ai plus de munitions de ce gun. Passer sur ça. Pas tout de suite passer par. Ah, y'a. Dépenser les munitions pour rien. Pas d'autres munitions. On va avancer par là. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Une castoche.
On dirait les chanteurs. Vous savez. Ouais. Les chanteurs. Comment ça s'appelle mongolien. Non, si. Attends. Mongol. Enfin, mongolien, non. Mongolien, c'est l'insulte. Mongol. Enfin, on peut penser à ça. Alors, les rouges, plus costauds que les blancs, mais ils bousillent les boyaux. Et... mais qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là? Quel est... ok, donc c'est vraiment très bon. Voilà. Par contre, les munitions, elles vont partir vite. Je le sens bien. Allez! J'adore le rechargement du fusil à pompe. Ouais, il est très très cool. Mais tous les fusils à pompe de la licence Petro sont très cool. Oh là là, je suis à la bas de cave. Ah mais apparemment, il n'y a pas que moi qui suis dans la merde. Hein. Et comment ils sont rentrés à 50 là-dedans? Ils ont été chacun leur tour? Parce que si c'est ça, bon, ça lui prend un temps, mais. Oh, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a dans ces catacombes? Mais c'est Moscou, c'est pas. C'est pas. La cité perdue. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? On va recharger vite fait. Je sens bien moi aussi sur la. Et merde, j'ai pas d'autres munitions aussi. Alors je sais pas si je pouvais la faire discrète. Je vais voir si je peux la faire la discrète parce que. Oui, je peux la faire genre 10-4 sans fin couper. Tu vas tomber sur un grand ancien dedans, ouais, un peu dans le style. Mais qu'on va se la jouer infiltration. Aïe. Putain, je suis bloqué par le feu. Putain, elle nique les chauves-souris. Putain. Oh là là, je m'en prends plein la gueule. Infiltration, je t'emmerde. Tu l'as celle-là? Donc, on va te les niquer ces chauves-souris. Hop. Merde. C'est ça que j'ai oublié de faire. Tiens. Mec, mais il t'enchaîne en plus, c'est insupportable. Master Assassin, je vous emmerde. Tous. Voilà, hop, tac. On les remet tous. Pas Panzer Faust dans le coin, mec. Franchement, je kifferais. Hein? Au moins, ça c'est fait. Ça c'est deuxième fait. Ça c'est fini, ça j'ai plus. Ça j'ai, mais plus à beaucoup. Alors, comme ça c'est bon.
Elle est où la connasse? Viens ici! Viens ici! Ah putain que t'es mort! Je tire tout autour. Viens. J'ai fini au corps à corps. Quoi. Franchement, ça se fait pas. Alors. Je veux des munitions. Est-ce que tu me proposes comme munitions? Putain, que des balles de fusil à pompe. Il y a encore 2, 3, 4, 4. Je peux tuer deux nosalistes si je m'en sors bien. Putain, mais il y en a combien de ces cons là? Oh là, attends, c'est quoi? Je vais déjà échapper d'ici. Ouais. Ah, fais chier. On l'a repéré? Je crois qu'ils m'ont déjà repéré. Ah non, pas l'air. Qu'est-ce qu'ils font ces cons? Ils ont l'air aveugles, non? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Allez, communique! Rushby! Ok, ça marche pas comme ça. Ah merde! C'est quoi? On va y aller à la camerounaise. Hé les connards! Bah voilà. Eh bah ça sent bon. Alors. J'ai rien d'autre. Évidemment non. Ah si si si, j'ai une munition pour ça. Combien, combien? Dis-moi, genre 6 chargeurs. Putain de nique ta race que... Un tiers de chargeur. Mon gars, ça va être... Ça va être tant d'axe. Combien? Un chargeur. Et encore pas complet. Il y a moyen de se démerder. Dis-moi qu'il faut pas l'attendre. Je t'en supplie, dis-moi qu'il faut pas l'attendre. Faut l'attendre. Et merde. Mais j'ai pas les... Je peux pas, en fait. Physiquement, c'est impossible. Il meurt en combien de temps, lui? Là c'est chaud toi. Putain, ils font carrément mal quoi. Je peux rien faire mec, ils m'enchaînent, c'est insupportable. Tiens. Tiens. Allez viens. Tiens. Oh là là, mec, c'est insupportable. J'ai plus de munitions. Quand tu veux que je fasse? C'est quoi? Je me galère. Tiens. Ça a rien fait. Voilà, ça a un peu servi. Alors, tu sais quoi, je vais recharger au dernier point. Hop. Bon, c'est la pire mission.
Non, non, on recommence au pire émission. Non, 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 je recommence pas, je recommence pas. Putain! Eh là là! Bon, ça me saoule cette histoire. Lui il va arriver là, il y en a un qui va arriver là. Voilà. Le mec il s'est mangé les deux, il a rien senti. Tiens. Ah. Mec, mais t'as vu ça quoi, c'est insupportable. Ouais, t'as... Merde, c'est pas le bon. C'est... Ah là là. Je vais claquer, un coup je meurs. C'est mes pseudos. C'est le bon moment, tiens. Attends. Ah, non. Putain, je vais voir la page Steam. Oh là là. Hop. Mec. Hop. Là, je vais éviter de parler. Faut que je me concentre. Ah, putain! Tu vois, il t'enchaîne, c'est insupportable, tu veux rien faire. Bon, je commence à rager, donc on va se détendre. Allez, 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 allez. Oh. Mais là, il va y en avoir à l'infini. Putain. Il est là. Oh, il est là. Ah mais il est là, il est là! Putain, il est là mon ascenseur! Ah, cassez-vous là! Je reste chaud là! Ah non hein! On fait pas mourir dans la cinématique, tu peux pas! Hein. Oh, je l'ai buté! Yes! Et j'espère qu'il fuit genre toutes les munitions du monde de l'autre côté. Maintenant. je croyais que c'était vrai, mec. Je te jure, mec. J'ai eu peur. Mec, comme tout, arrête de faire des vannes comme ça, mec. J'en peux plus. Pourquoi je fais ça, mec? Ça n'a aucun sens. J'ai pas fait exprès. Ah, bah ici apparemment ça n'a pas été la fête non plus. Mais putain, mais je suis con. Non, et je me galère dans les touches.
En plus, c'est vrai. Non, arrête de déconner, mec, j'ai pas de munitions. Mec, ils vont pas m'envoyer avec deux malheureuses cartouches de 15 et. Oh ouais, putain, ça sent le truc, je vais tomber. Voilà. J'ai plus de munitions. Tiens. C'est une vanne. J'ai plus rien. Je peux pas. Mais c'est. J'ai plus rien. Mais c'est une. Mais non, arrête de déconner. Il y a une sortie, enfin. Allez, viens. Je suis sûr que c'est une sortie, ça. Gueule. Et je fais comment, moi? Tu m'expliques? Ok, donc je vais mourir, en fait. C'est vraiment un gros jeu de merde. Au couteau, boucherie. Mais mec, c'est pas drôle! Bah, le jeu crash, d'accord. Bah, le jeu est d'accord avec moi de dire que c'est un gros jeu de merde. Putain, mais c'est quoi ça? On m'amène, genre... Pff, j'ai même pas envie de discuter. Non, ça me saoule. Je fais ton... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en fous, ouais. Oh là, attends, il y a encore le bug. Je suis un peu saoulé, là, à cause de ce putain de boss de merde. Je suis désolé, les gens. Ta gueule, Twitch, pardon. Je gueule. Bon, je gueule. Il va recracher, mec. Tiens. Hop. Bon, redémarrage, hein. Vu que tu peux pas m'amuser dans le monde, je suis obligé d'ouvrir le gestionnaire des tâches. Alors... Oh bah tiens, ça marche. Eh putain, allez. Allez. Putain. Oui, c'est bon, je suis le prochain. Je m'en fous. Oh là, mais je sais. Voilà, merci. Mais laissez-moi jouer, Vardio. Putain. Ah bon, allez, hop. Mec, il fait n'importe quoi. Dès que j'ouvre une page, enfin, il les met toutes dans le mauvais sens. Enfin. Oh là là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Attends. Je vais remettre le chat parce que j'ai plus rien. Salut Benoît, je t'emmerde. Hop, voilà, c'est bon. Voilà. J'ignore. Ta gueule! Mais c'est pas possible qu'on file que 3 munitions. Il doit y avoir une caisse. Moi, quel âge j'ai quoi? Un demi-chargeur? Mec, il veut. J'ai 4 balles. C'est quoi? Encore des balles? 5! Ouais, super! Non, vous devriez avoir une caisse qui part. C'est impossible. Mec. Ouais, c'est bon, je connais, je veux buter, c'est tout. Et vous connaissez une technique pour le buter? Ou il y a une technique ou... Et bien. Bon, ça c'est fait au moins.
les poteaux. Hein? Vas-y. Ah, attends, ok. Vas-y, viens. Ok. Pas ici. Ok, il est à travers les murs. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Je suis mort. Ah, c'est pas grave. Ah. Vous savez que c'est bon le sprite. Et mec, mais c'est le pire niveau de la Terre. J'espère qu'après ça, genre, on me donne 6 heures d'affilée d'infiltration avec des Russes, je peux les tuer dans le cou, enfin, leur chier dans les bottes, enfin, quoi. Mais donc, ces 6 heures de ça, j'en ai rien à péter. Bien. Voilà. Complètement con. Bien. Voilà. Voilà. Il a l'air assez vénère, ouais. Il va péter celui-là et normalement abîmer le suivant. Ah non, il a juste pété celui-là. Bon. J'espère que ça le tue les poteaux ou alors ça fait tout ça gagner. Et une animation ou je sais pas quoi parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, ça c'est fait. Tiens, ta gueule. Ce détail. Bon, plus qu'un poteau. Il est en deux phases. Voilà. Ah bah voilà. Donc ça, je suppose que c'était la première. Oh yes, une caisse de munitions. Oh yes, j'adore ce jeu. C'est bon, c'est de nouveau le meilleur jeu du monde. Hop. Eh mais quand Ranger c'est... Eh fait chier. C'est bon. En Ranger, le jeu il est quand même hyper dur. Bon, 6 balles. Là j'ai. Un chargeur. Moi t'as pas gâché de munitions pendant la première phase. Je t'emmerde. Et la deuxième phase, je peux... Non mais c'est une vanne, en plus il m'amène ses potes. C'est n'importe quoi. J'ai plus de munitions. Tiens. Je dois faire quoi pour la deuxième phase? Je dois le buter? Ou alors il est juste très con et super vénère. Poteau encore. Okay. Oh. Et il va tout seul là, dans ce poteau. Donc... Ah, c'est pour amener la flotte. Viens ici mon kiki. Allez, viens. Allez, viens Gobain, viens Gobain. Oh, merci Vito. Ça fait plaisir. Allez. Bien, c'est un bon gamin, c'est un bon gamin. Oula. Il en reste. Je suis par là. Non, je lui mets des petites tapes au cul parce que sinon il a du mal à s'en souvenir. Voilà. Un petit poteau, un petit dernier ici. Allez. Non, là il y en a encore pas en fait. Voilà. Non, ça il me voit pas. Ah bah voilà.
Il y avait sous les poteaux. Ici? Ça, ça tient? Je peux pas me dire que 60 tonnes, ça tient avec 4 cailloux. Oh là là! J'ai pas prévu ça. J'ai plus de munitions, enfin j'ai plus de soins. Plus de munitions. Il est parti? Il est juste mort en fait. Ah mais moi aussi! C'est marrant ça! Mais non! Non! Salut Arteus! Merci Vito, ça me plaît! Eh mais Artyom il a pas une seconde de repos quoi. Tu penses qu'il dort? Tous les chemins mènent à Oktyabrskaya. Le sombre se trouve là-bas. Et Anna aussi. Yves. Entre les mains de mes ennemis. Les mains d'un traître. Chez les cocos. Nesnevski. Oh y'a un mec qui a fait un bout de boule d'eau. Oh, c'est dégueu. Ok, donc je suis dans les chiottes, c'est ça? Enfin, je suis dans les... dans les bras fonds. Ça a pas l'air d'être la joie ici. Hein. Sans vouloir faire ma sucrète. Je veux pas faire ma sucrée. Je continue ici ou pas? Non, c'est pas là que je vais aller. Bon, 6 balles. J'ai pas allé non plus au bout. Oh, Jean-Pierre. Bon, c'est qui cette fille déjà? Une otage. On va s'en servir pour négocier. Veillez juste à ce qu'elle porte un masque à gaz. Si elle est infectée, elle est morte. Et elle ne nous servira plus à rien. Ah, donc va falloir porter un masque alors à gaz. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Enfermez-la et gardez un œil sur elle. Au moindre incident, c'est votre tête qui sort. Je viendrai la chercher quand on en aura fini ici. Donc faut porter un masque, non? Non? Bon, j'y vais comme ça? Bon, allez. Pourquoi il y a du sang dans les conduits? Vous êtes tous infectés! Vous avez entendu? On doit vous tuer pour sauver le métro. Mais on n'a même pas de fièvre! Feu! T'arrives à rien toucher, même à bout portant! C'est dingue ça! Comme moi? Coronavirus. Ah ouais, en plus, c'est dans le thème en ce moment. Qu'est-ce que ça peut faire? Il va bientôt crever de toute façon. On est là pour s'en assurer. Achève-le. Ah, toute ma boîte est couverte de merde. C'est bien, ma veine. Bah, pour l'instant, tu peux rien y faire. Tu mettras du désinfectant dessus à notre tour. Hop, allez, on continue. Le communisme, le plus grand virus. Coucou Nomura, ça va ou quoi? T'as passé une belle journée? Hop. Allez. Oh la vache. Non, j'en ai rien à foutre. Ça va et toi? Nickel. Ah merde. Attends, tu sais quoi, je vais recommencer. Dernier point de contrôle. Hop. Je vais tout recommencer comme ça. J'ai toutes les discussions et ça me permet d'éviter de perdre des points de fin de jeu.
Ça et toi? Bah moi ça va super mec. J'ai eu congé aujourd'hui, donc c'était nickel. Pas besoin d'aller en cours. Juste à ce qu'elle porte un masque à gaz. Si elle est infectée, elle est morte. Et elle ne nous servira plus à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait d'elle? Enfermez-la. Gardez un œil sur elle. Fedel, c'est pas le frère dans Fear 3. Non, c'est Fetel. C'est pas ça. Je sais pas pourquoi c'est pixelisé comme ça, depuis que mon jeu a crashé, c'est pixelisé, je sais pas pourquoi, ça me saoule un peu. Qu'est-ce que vous faites? Pitié! Vous êtes pas obligé de nous tuer! Ce sont les ordres des dirigeants de la ligne rouge afin de mettre fin à l'épidémie! Vous êtes tous infectés! Vous avez entendu? Je vais voir. Parce que c'est flou et ça m'énerve. Carnet. Non, c'est pas carnet. Référence. Option de jeu. Non, vidéo. Ah bah oui. Ouais. Comme ça c'est bon. Attends, quoi? Escape. Faut que je redémarre mon jeu pour ça? Vidéo. Par exemple, je fais ça, escape. Effectuer. Ah ok. Pardon. Hop, tac, escape. Mais non, je suis. Ah. Voulez-vous sauvegarder les changements effectués? Mais non, c'est bon. On ça a rien changé. Complètement con. Mais on a même pas tiers. Il va bientôt crever de toute façon. On est là pour s'en assurer. Toute ma boîte est couverte de merde. C'est pire la bête. Bah, pour oh la tuile. Tu mettras du désinfectant dessus à notre tour. Ouais, je peux y aller, je crois. Allez, on avance. On va enfin faire de l'infiltration et jouer tranquille. Putain, cette phase avec les nosalites, ça m'a vénère de ouf. Comment ça se fait? Je prends tes munitions, mon gars, tout ce que t'as. Hop. Ils ont quand même biglé, hein. C'est incroyable. Alors, ceux qu'ils ont buté, ils ont que dalle. Ça fait du bien d'être à nouveau à flot. Je l'ai déjà. J'ai un caillou dans ma botte. J'ai un caillou dans la bite. Allez hop, on avance. Doucement, sûrement, mais doucement. C'est la lutte finale. Tu crois que si j'avance dans la station en gueulant, c'est la lutte finale. Il me laisse tranquille ou pas?
charger mes deux armes à fond. Vous savez que dans le livre, ils disent que les lumières sont constamment éclairées, enfin le métro est constamment éclairé avec ces lumières-là. Parce que c'est les seules lumières, les lumières d'urgence qu'on trouve dans la station. Ah. Finalement, ils auraient été. Bah, il se presse pas. Et 2 minutes, c'est pas beaucoup, hein. C'est T-Rex, ces types, ça va. Ouais. Ils sont complètement débiles, hein. T'as rien vu. Hé, là, les tireurs! Il est temps de retourner bosser. Allez, qu'est-ce que vous fabriquez? Allez. Si vous allez pas à l'entrepôt, le camarade Svoloch va nous lyncher. Merde, j'aimerais que la relève arrive. Bon, ok. J'en ai même clapé tout ça. Tiens, hop. Dans la gueule. Culé, va. Certains diront que c'est une réaction énervée. Moi, je dis juste que c'est une réaction normale. Et c'est étonnant qu'ils me demandent pas de mettre un foutu masque à gaz, parce que c'est un putain de virus, non? Et Artyom, c'est pas... Enfin, c'est pas Demolition Man, il est pas invincible. Je suis tranquille, là. Tiens. Quoi, alerte? Y'a pas d'alerte. Faut pas d'alerte, moi. Oh putain, je m'en souviens de ce passage. Oh, je me souviens. Je l'ai tellement recommencé, je crois. Je vais vite chercher ce qu'il y a sur le cercle. Il y avait toute la haine du Nino d'avant dans le coup de poing, mais mon gars, mais... C'est dommage qu'on puisse pas mettre des claques dans le jeu. Et Artyom est en train de me foutre des putains de mandales de gitans, là. C'est plus simple en infiltration, bah blindé. C'est pas que c'est plus simple, c'est que c'est moins rageant. Ah ah! Et là, il a rien à dire. Hein. Ouais, non, il m'énerve. Il m'a rien fait, mais il m'énervait. Voilà. Plus un coco. Il a réponse à tout, ce con. Et ouais. Ça s'appelle être. Maniable dans la... Ça s'appelle l'éloquence. Et sache que... Schopenhauer, dans sa règle 35 de l'éloquence, dit que si vous n'avez... Si les arguments de votre adversaire sont trop gros pour les contrer, insultez-le. Enculé. Voilà. Enculé, bon, ça c'est maison, mais... il a vraiment dit ça. Je crois que c'est Schopenhauer, mais je suis pas sûr. Quelqu'un rien du tout. Je crois que la 15e, c'est un truc du style développer des arguments fictifs. Ou un truc du style. Tu m'étonnes qu'ils mettent du temps pour leur putain de chargement. Le gars est tout seul et il est lent. Plus un gros cul. Merde. Oh, tu parles d'une poisse. Schopenhauer. Schopenhauer, c'est pas une bière nazie, j'en sais rien moi. C'est Schopenhauer? Je sais même plus si c'est Schopenhauer.
Parce que j'ai regardé le film. Allez, putain, j'oublie tout le temps son nom. C'est un film qui parle de l'éloquence, justement. Qui est assez cool. Film français en plus. Pour les petits cocorico qui ont du mal à aller voir. Peut-être pas du buter là, moi. Attends. Je tente un truc. Non, mais c'est une idée de merde. Je vais le buter là. Attends. Putain, on dirait. Vas-y. Surprise! Ouais, bon, là. Oh merde! Je viens de me rendre compte d'un truc, grâce à toi, Rumtou. C'est que samedi. Attends, c'était samedi. J'ai été fêter la nif d'un de mes potes. Et j'avais ramené une bière qui s'appelait la bière du pendu. Et dessus, c'est un petit fantôme qui est en train de se pendre. Et j'ai trouvé la bouteille super stylée parce que c'est un petit fantôme à la Stine. Du style Bugs Bunny, qui était trop stylé, et je voulais le rajouter à ma collection de bières, et je l'ai oublié parce que j'étais complètement beurré. Oh, fais chier, ça me saoule. Rien, il n'y a rien du tout. Il dirait qu'il y a eu un peu de bruit. T'as vu ça? Je suis pas un master shooter. Je crois que j'ai complètement arrêté l'humour en fait. Ouf. Moi je préfère la mienne. Parce qu'il a une lunette lui, ça m'énerve. Les gars, je suis pas. Bon, d'accord, j'avais dit que je la faisais full infi. Mais là, franchement, j'ai pas géré ma race. Là, je suis plutôt fier de moi. Bon, j'ai pris 2-3 balles, mais c'est. Bon, c'est le métier qui rentre. Encore des armes à aller revendre, enfin des munitions que je pourrais revendre. Que je n'utilise pas de pistolet. Il n'y a rien là dans les casiers. Absolument rien là-dedans. Je sais pas ce que c'était. Ah, ça c'est bien. Ce masque est gaspété, ça je m'en fous un peu. C'est kiffant de traquer les ennemis, franchement, ouais. Voilà. Je sais pas ce que j'ai pris. Masque. Ça veut dire que je vais aller à la surface au premier prochain tour, je pense. Parce que s'il me file autant de filtres, ça pue du huc. Ah bah voilà, je me disais aussi. Ah bah non, c'est peut-être pour cette phase.
Oh la vache. Franchement, c'est le bâtard. Peut-être pas la meilleure idée de faire de la guitare d'infiltration, je sais pas. Après, mon écran d'à côté, il est tout gris. Mon écran de droite, il est tout gris. C'est chiant, ça. Voilà, je l'ai fait en un film parce qu'ils sont quand même beaucoup. Enfin, je dirais ça, mais si ça me saoule dans pas longtemps, ça va péter. Ah putain, je vais reprendre toutes les munitions des gars, putain, ça fait chier. Hop, il a quoi lui? Couteau lancé. Là où il y avait hop, les flingots. Diablo. Enfin, normalement, il me manque 30 secondes de filtre. Ah, il est de l'autre côté, je pense. Je vais voir s'il y a de l'autre côté. Parce que là, il y a de l'autre côté ici. C'était où? C'est par là. Attends. Voilà, t'as un filtre. Là, on a le compte. Des munitions à tire-larigot. Ici, avec quoi? Ah, c'est peut-être. Ouf. Vous avez vu que j'ai l'œil. Il a failli me le prendre, je l'avoue. Mais du coup, je sais pas à quoi ça sert. À quoi ça sert? Regardez le qui défile. Jusqu'à la dernière fois. Je connais pas du tout les paroles de ce truc. Ah, le gars en haut, je crois que j'ai pas été le piller. Voilà, c'est chose faite. C'est cool parce qu'on voit un petit peu plus les quartiers résidentiels. Je peux pas. Voilà. Tiens, merde. Ouais, t'es sûr. Tu es de pire. Regarde. Bah effectivement, c'était un quartier de merde. Ah par contre ça... Ça je dis pas non. Franchement maintenant je crache plus jamais sur les munitions. Plus jamais. Toi j'ai de fumer toi. Tiens. C'est pas urbain, mais ça détend. Oh la vache. Quand ils sont leur masque à gaz, ils se font trop flipper en vrai. J'ai des frissons dans le dos, ouais. Je suis un warrior. Je sais pas ce qu'on entend derrière, je veux pas le savoir. Oui, il fait ce bruit. Non, c'est pas moi. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Capitaine Ravin, j'ai été touché pendant l'attaque de Goldsmaya. J'ai poursuivi les infectés. Une blessure ouverte. Malheureusement, l'issue est sans effet. Je crois que vous comprenez ce que je dois faire. Quoi? Vous allez me piquer comme un vulgaire clébard. Hop. Je suis soldat. J'ai suivi les ordres. Vous me devez une balle. Comme vous voudrez, capitaine. Tiens. Mais t'auras jamais ces galons. Quoi?
Ah. Putain, dites pas des trucs comme ça. Faut y prendre pour moi. Quoi ça? Qui est là? Allez, on charge d'un endroit. On va y arriver, mec. Full infiltration, on va y arriver. T'inquiète pas. Oh putain. Pourquoi ils ont pas foutu le checkpoint après la porte? Ça, mon gars, mais c'est les Russes. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Enfin, les Russes ou les Polonais, je sais pas qui encore qui a développé ce jeu. Mais c'est n'importe quoi. Le jeu est cool, hein. Mais dans les checkpoints, c'est. Pff. Ils font pitié, quoi. T'as vu, j'éteins les bougies quand même, je suis pas. Je suis pas un monstre. Rien. Alors, regarde. Regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Alors, regarde. Regarde un peu. Mission, ça se dit à pied. En face. Ouais. Et en face, ouais. Ouais. Voilà. Je pique tout, moi. Mais c'est la radiale et contre-maître. Ouais. La simple artémie des cadres. Hop. Hop. Filtre. Ok. Mission. Et y a plus rien. Hop, je mets le gaz. Je mets le gaz, je mets le masque à gaz. Et on y go. Par contre, non, j'ai pas le compte. J'ai pas le compte. Ah, c'est tout... ah bah voilà, non, c'est bon, j'ai le compte, j'ai tout, j'ai tout. Ah, des munitions. Heureusement que je le recommence 4 fois parce que je les aurais jamais eu ici. Les munitions spéciales, enfin les munitions d'avant-guerre. Et elles sont fort utiles. C'est gueule dans tous les sens là. Mais... c'est un petit pack médical. Ouais, moi je dis pas un medipack, moi je dis un pack médical, ok? Allez, on fonce. Enfin, on fonce. Félicitations à tous. La prochaine tâche consiste à péter le deuxième secteur de la station. Allez. Prochaine. Donc là, ils vont tous se disperser. On va tous les fumer. Tous les fumer comme un jambon. Il vient à l'autre. Oui, j'ai pas que ça à foutre, hein, garçon. Voilà. Parfait. Hop. Heureusement que ces couteaux traversent les gilets pare-balles. Hein. Je pense à chaque fois que c'est pour ma gueule, mais non, en fait. Par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Capitaine Ravine, j'ai été touché pendant l'attaque de Cold Surveil. J'ai poursuivi les infectés. Une blessure ouverte. Malheureusement, l'issue est sans appel. Je crois que vous comprenez ce que je dois faire. Quoi? Vous allez me piquer comme un vulgaire clébard? Je suis soldat. J'ai suivi des ordres. Vous me devez une balle.
Comme vous voudrez, capitaine. Aucune race. Bah moi non plus, tu me diras. Mais ouais. Hop, ça c'est pour Bibi. C'est con, hein. Franchement, c'est con. Il y avait de l'avenir, il y avait du potentiel. Ah, des filtres. Ça, j'ai trop de sang sur ma visière, j'arrive plus à rien. Personne. Réflexe. Merde. Réflexe. Je pensais qu'il était pas mort. C'est bon. Complètement con. Allez. Absolument pas. Hop. C'est con, hein, on était pas loin du full infi. Hein. Mais bon. Hop, on prend ça. Il y a des balles à prendre ici. On va attendre qu'ils se regroupent un peu, hein, pour qu'ils aillent me chercher. Ah, je recherche ça, j'ai oublié ça. Tiens. Donnez les cocos. Qu'est-ce que c'est? Merde. Ah, oh, je fais un peu. Fait chier. C'est con, hein. Franchement, c'est con. J'étais presque au bout. Oh putain, mais je suis hyper loin. Il y a tellement de temps. Attends, t'essaies. Je vais tout me retaper. Oh là là. Ah non, non, pardon. Je pensais que j'étais beaucoup plus loin que ça. Mais ça reste casse-couille, hein. Pff, oh, tiens. Pourquoi j'ai les carreaux depuis tout à l'heure? Il y a une arbalète dans le jeu? Je me souviens même plus. Y'a plus rien. Allô, regarde un peu. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a... Enfin... Ah, c'est un tout neuf. Ça, j'en ai pas besoin en fait. Ouais. On est pareil. Tiens, je suis une caisse. Voilà, comme ça, c'est plus rapide. Comme ça, c'est plus simple, plus rapide, plusieurs choses à la fois. C'est aussi être flexible. Capitaine Ravin, j'ai été touché pendant l'attaque de Colisoria. J'ai poursuivi les infectés. Une blessure ouverte.
Malheureusement, l'issue est sans appel. Je crois que vous comprenez ce que je dois faire. Quoi ? Vous allez me piquer comme un vulgaire clébard. Je suis un soldat. Je mérite une balle. Des ordres. Vous me devez une balle. Comme vous voudrez, capitaine. Instant. Grenade incendiaire ! Je crois même que le capitaine, il a eu le temps de voir son pote qui l'a buté mourir. Franchement, si je suis pas le meilleur, je suis le petit Jésus en quelque sorte. Non. Je crois qu'il y avait rien là-dedans. Mais c'est pas le sujet. On ne tue pas les gens comme ça. Heureusement que j'ai été vif. Qu'est-ce qu'elle est bien cette arme? Mon dieu. Grenade incendiaire. Oh merde. Oh non, ça va être loin. Putain non. Allez les gars, on est là. On est là, on est pas là. T'es pas là où t'es que t'es. Bon, allez. Ça me saoule qu'ils aient fait. Je veux que je puisse pas sauvegarder. Tu peux pas sauvegarder? Non, ben non, je peux pas sauvegarder. Ça me casse les burnes. Et là, est-ce que ce soit l'un des rares trucs qui soit pété en jeu? Le fait que les points de contrôle soient complètement explosés. Enfin, vous savez très bien, avec moi c'est toujours comme ça, on met 6 ans sur la phase d'infiltration. Maintenant il y a des bugs avec les escaliers, j'arrive même plus à les utiliser. Voilà. Les escaliers dans le jeu ils sont niqués aussi. Hein. Munition, balle. Rien de spécial, d'autres. Ouais, c'est vrai que personne ne vient jamais. Allez, moi j'en ai marre. J'arrive pas. J'arrive pas. Qu'est-ce que je disais? C'est plus simple les phases d'infiltration. Ah putain. Rien du tout. J'ai rien du tout. Et mais pourquoi ils sont pétés les escaliers? Ça aussi ça commence à me péter les noix. Bon celui d'en haut je m'en fous. Hop. J'ai de plus en plus vite au moins, c'est ça l'avantage. De refaire en boucle. C'était des petites balles en or, petites baloutes en or. Oui, par contre, en haut, s'il brûle, il me pique des balles.
Tiens, réflexe. Voilà, elle était là, les balles. 24 balles. Des balles ici aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Capitaine Ravine. J'ai été touché pendant l'attaque de Goldsmith. J'ai poursuivi les infectés. Une blessure ouverte. Malheureusement, l'issue est sans appel. Je crois que vous comprenez ce que je dois faire. Quoi? Avec piqué comme un vulgaire clébard. Je suis soldat. J'ai suivi des ordres. Vous me devez une balle. Comme vous voudrez, capitaine. Comme vous voudrez, capitaine. Hop. J'adore. En fait, ce type m'énerve. Le fait qu'il bute son officier, tout ça, enfin... Et qui fait « Oh, y'a souci, même pas un petit « Je suis désolé, capitaine » ou un truc comme ça. Non, non. Ce mec est un gros fils de pute tout court. Je sais pas du tout ce que ça a fait. Mais ça l'a fait. Je vais descendre. Hop. Tranquillou. Allez, tu ramènes ton cul ou je viens de chercher? Ah mais il fait flipper dans l'eau. Putain, à chaque fois mec, ça me fait peur, je te jure. Ah oui, ici il y avait des soins. C'est toujours pratique d'en avoir. Toujours pratique, toujours bienveillant. Ok. Faut que je regarde où sont les autres. Tiens. Trop lent. Ta gueule. Encore une épreuve. Hey. Hey. Qu'est-ce que c'était que ça? Hey. Ils ont rien vu, ils ont rien vu. Tu mords. Hey, tu m'as là. Voilà, tu vois. Non, c'est absolument pas vrai. Hein. Oh, je m'en fous, j'ai des balles, j'y vais. T'as eu que dalle, garçon. Absolument pas. Tout de suite les insultes. Franchement, c'est d'avant-guerre, hein, toutes ces histoires. Tiens. Ah bah tiens, effectivement, un dernier coup, c'était bon. C'est con, hein. Ils doivent sentir dégueu tes filtres. C'est con, je suis sûr qu'on a loupé plein de conversations qui auraient pu nous aider pour la fin du jeu, mais... Mais tant pis. Enfin, c'est un autre jour. Ouais, ça m'a saoulé.
l'opération progresse comme prévu. Elle sera terminée dans une heure. Bien. L'expérience a été un succès. Il faut faire notre rapport au... Et les deux cons là, ils ont pas entendu les coups de feu et tout ça, non? Oui, chef. Bon. C'est qui la bébé? C'est Lesnitsky qui l'a ramené. Il dit que c'est une otage pour négocier avec l'ordre. Mais quel type de négociation au fond? C'est trop marrant ça. Alors je là ah, et là c'est full infi. Là cette fois-ci j'y vais. Qui marche plus, ça c'est nickel. Oh, plein de munitions. Mais. Oh non, le mec cramé vivant, ça serait trop horrible. Je trouve que ça doit être une des pires morts avec la noyade. Ouf, dans la face. C'était dégueu. Monsieur, bonjour capitaine. La capitaine. Quoi? Attends, ils m'ont vu par la toute petite interstice là? Putain. Yeux bioniques qu'ils ont, les gars. Je savais pas que les communistes étaient génétiquement modifiés. Et autant de ça. S'attaque. Vomir sur mon dîner. Je vais devoir retirer toutes les petites cacahuètes qu'il y a dans mon caca. Regarde. C'est peut-être parce que tu crames tout qu'il y a des trucs qui bougent, non? Enfin, je sais pas. Hein. Et qui crame la moitié de la terre. Je suis sûr qu'il y a un truc qui a bougé. Hein. Les oreilles bioniques, les œufs bioniques, ils sont tous bioniques. Ah, j'ai ce qu'est-ce. Calme. Il est peut-être parti. Merde. Est-ce qu'en même temps, ouais, je suis large sur les dosettes. Lui, Linaria, ça ou quoi?
Bon, je vais recommencer. Parce que là, ils sont énervés, je les sens chauds. Peut-être arrêter ça. Arrêtez tout! Tranquille, je rentre du boulot là. Ah cool, bah tu vas pouvoir te détendre. Je parle pas trop parce que je suis un peu en infi. Donc je suis aussi IRL, oui, je suis en infiltration à fond. J'ai bientôt fini DL Metro Exodus, merci à toi. Pourquoi? Pourquoi merci? J'ai spoilé la fin tout à l'heure. Et franchement, j'ai pas fait exprès, voilà. Oh, non, non, non. Bon, c'était pour l'imagination. Pourquoi Elinaria, merci. Tu me dis merci. C'est très gentil, hein, j'accepte. Donner envie de jouer à Metro quand Exodus a été enfin release sur Steam. Ah bah c'est cool. Faut que je me le prenne aussi sur Steam. Et il est à combien sur Steam, tiens? Ou il se fait riger? S'ils le vendent pour Steam, ça m'étonnerait. À mon avis, ils le vendent d'être pour Epic. Ouais, sur IG, il n'y a pas de clé Steam, c'est juste ce que je pensais. Hein. Quand les jeux sont trouvables ailleurs que Steam, comme les jeux Ubisoft, les jeux allez, Origin, Epic Games, ils sont pas relis sur Steam. Ils sont pas relis sur IG. C'est direct vers l'annonceur. Encore 21h, le jeu est à 24€. Ah, franchement, je suis chaud de le refaire. Et en Ranger, un peu comme là. Ah, Ranger, c'est chaud en fait. C'est ce que fait Funeral. Non, parce que tout à l'heure, je pensais que Funeral l'avait fini, du coup, j'ai spoilé un peu la fin du jeu, j'avoue. Mais Funeral l'a pas du tout fini en fait. Commandant, toi tu te tais complètement. Et du coup ouais, je me suis fait un peu insulter par tout le monde et j'en suis vraiment désolé, j'ai pas fait exprès. Si, je l'ai fait exprès mais je savais pas que Funeral ne l'avait jamais fait. J'ai juste vu le début d'Exodus mais ça m'a fait penser que je te parlais avec Post-Pétersbourg. Ouais, ouais. Mais tu verras à la fin du jeu, il y a un passage à... Comment il s'appelle encore? Allez, la ville s'appelle comment? C'est un nom à coucher dehors. Avec que des i. Et en gros, c'est la grosse merde. Plutôt. Mais faut que je m'achète les DLC, moi. Il y a les DLC sur Steam ou pas? Je suppose que oui.
chaud lui, il a un casque. Exodus, oui. Ouais. Ouais. Il en reste un ou deux, normalement. Ah, oh, j'adore. L'ambiance est trop cool. Ça doit faire hyper chaud. Ouais, moi je pense aux petits détails, moi. Tiens, ta gueule. J'en ai rien à branler. Absolument rien. Non merde, je vais faire autre chose, Édition Gold, elle a 38€ durant la promo. Non, j'ai merdé. C'est vrai que... On dirait que... Bah, comment on va savoir qu'il aurait des mitraillettes? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand... On peut juste attendre. Ils vont pas attaquer, ils seront bientôt d'autres chars. Ouais, ouais. Et c'est là qu'on les attaquera. Ouais. Ouais. De ouf. Tente des trucs, hein. On dirait que... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand... On peut juste attendre. Ils vont pas attaquer, ils seront bientôt d'autres chats à côté. Et c'est là qu'on les attaquera. Ouais. Et je t'entends un truc. Allez, j'ai pas le buter parce qu'en fait il est bien comme mec. Genre il veut pas qu'on pique les livres et tout. Enfin, non, franchement, qu'on brûle les livres. Franchement, il y a un respect, je trouve, et certaines noblesses quelque part. Du coup, j'ai pris Steam et j'ai une version PS4 à refourguer. Et quoi, tu l'avais déjà fait? Tu l'as jamais fait Exodus? Parce que tu l'as sur PS4 du coup. Ta gueule. Artyom, bouge pas, ou tu tranches la gorge. Alors c'est venu pour Anna. Quel héroïsme. Eh mec, il est pas vivant, c'est impossible. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Vite! Faut qu'on atteigne Koltsevaya. Elle meurt si je fais rien en fait. Quelqu'un sait ce qui se passe si je l'avais pas tué? Enfin, si j'avais rien fait. Allez, c'est chaud là. Cool les filous, salut ça va, MTE, excuse-moi. Je commence à assembler les pièces du puzzle. Du puzzle. Et ce que je vois est à la fois abominable et incroyable. Non, c'est dans le métro, c'est pas j'en abominable. Parle aux autres, mais je n'arrive pas à y croire moi-même. Les rouges ont infecté Oktyabrskaya, une station tranquille dont les habitants ne soupçonnaient rien, avec un virus mortel inconnu. Un enculé. Leur escouade de nettoyage est ensuite entrée sous prétexte de sauver la station de l'épidémie et a éliminé tout ce qu'elle pouvait. Des femmes, des enfants, des vieillards. Pour empêcher l'infection de se répandre. Si tout cela est vrai, Anna et moi pourrions être infectés aussi. On a échappé à l'exécution, mais on ne sait pas si on va survivre encore longtemps. Ça pue.
ça pue. Comme dit Julie, cof cof. J'ai le sentiment. Oh, on va faire des bébés. Bientôt terminé. Les gars, préparez-vous, on va faire du fion black. Tout le monde mourra. Je me sens seule à nouveau. Oui, ouais. Comme quand j'étais petite et que mon père partait en mission. Le néant m'entoure. Il fait sa tête chomblère, fait sa tête chomblère. Comme si je n'étais qu'une étincelle qui s'envole. Allez, allez, on va rebouiller ses tons là. Et disparaît. Allez. C'est pas facile de te parler de tout ça, Artyom. Oh là là. Mais j'ai besoin de me sentir. Chomblère vivante. Regardez pas Twitch. On est d'accord que ça va être la première fois d'Artyom là. Donc se sentir vivante, elle va se sentir mais pas longtemps. Où ça les tétés, mais mec, t'as pas suivi les tétés. Bon, on dirait que vous êtes en bonne santé. Félicitations, jeunes gens. Vous, Artyom, vous pouvez y aller, mais vous, Anna, vous devrez rester encore un peu. Nous devons finir de soigner votre blessure. Oh, merci, mon Dieu. Ah, enfin un peu de repos, putain. Libérez-les. Viens là, ma chérie. Si j'ai vu, c'était ouf. C'est quoi, papa? C'est rien. Putain, c'est là qu'on voit les moyens de la Hanza. Les mecs, ils ont fait des zones de décontamination et tout. Trop stylé, quoi. La huitième caisse. Ouais, c'est la huitième. C'est Metsky. Yori. Et dire qu'il disait qu'il nous enterrait tous. Bon, je sais ce qui est mort apparemment. Bonjour. C'est fou cette tradition de s'habiller en jaune quand on est genre l'équipe de décontamination. Pour être plus visible. Wow. Oh, c'est dégueu comment il meurt en fait. Akira, coucou, salut. Un cœur au salut. Ça parle la langue chelou. Oh là, mais c'est... Il meurt, mais on dirait une, la peste pneumonique, c'est horrible. Hey, qu'est-ce qui arrive? S'il vous plaît. Quelqu'un? Ne restez pas ici, c'est dangereux. Et en fait, on est d'accord que je me trabatte à nouveau sans masque à gaz. Quoi, je suis immunisé? Comment ça se passe, en fait? Un cadavre. Laissez-vous au médecin. Ne restez pas là, c'est une zone de quarantaine ici. Hey. Vous pourriez au moins l'emmener. Hein. C'est mon propos, c'est une étoile, c'est ou quoi? Libérez-moi. Hey. Hey. C'est bien. Ils n'arrêtent pas de me pousser dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi, docteur? Vous connaissez les statistiques aussi bien que moi. Vous êtes des tueurs, pas je des sais, médecins. Mais bon. Ah. Vous étiez conscient des mesures de sécurité, des c'est gants, du masque. Ouais, ouais. Vous avez signé les papiers. Oh, t'es un loser. Oui, c'est vrai. Mais les enfants, comment j'étais censé leur parler avec mon masque? Ils avaient peur, ils pleuraient. Oui, mais vous les avez pas sauvés. Et vous vous êtes condamné. On manque déjà assez de personnel comme ça. Vous auriez pu aider tant de monde. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à toi? Oui, vous avez raison. Très bien. C'est... Oh putain, je me souviens enfin de qui double ce gars. C'est le doubleur de Terry Crews en français, mec. Oh la vache. Ah bah mec. Ouh, merci Neto. Yo mon bobo, presque un an. Eh mec, on les tâte. On les tâte. Et Linaria, il a eu la même réaction de moi en même temps. Truc de ouf. Bonjour Michel. Tu dis quoi? Moi? Ouais, c'est mieux. T'as rien écrit? Il y a rien écrit en plus. Vous pouvez pas entrer dans la zone. Passez par le labo. Ok. Adressez-vous au médecin. Ok. Alors, j'ai pas à vous rappeler de porter des gants et un masque. Non, je le sais. Parfait. Bon. Relevez la température toutes les heures. Prélevez du sang toutes les 3 heures. Appelez-moi dès qu'une des constantes s'écarte de la norme. Bien sûr. Vous voyez, il n'y a eu que 2 cas positifs pour l'instant.
Il faut donc les surveiller de près. Oui, je comprends. Parfait. C'est la voix dans Brooklyn Nine-Nine, mais c'est la voix dans la plupart des films de Terry Crews aussi, je crois. C'est la sa voix officielle française. On va leur demander de donner toutes leurs affaires, mais regarde toute cette merde. Bah, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ils s'en sont bien sortis, mais il faut emballer tout ça. Ouais, et pourquoi ça? On devrait tout brûler avec les cadavres, ça irait plus vite. Il paraît que c'est pour trouver la source de l'infection. Pour moi, c'est des conneries. Il est bien trop tard pour ça. Les chefs doivent savoir ce qu'ils font. Bon, je vais pouvoir être tout le temps, vu que j'ai arrêté mes études. Ah, pourquoi t'as arrêté tes études, mec? Ne bloquez pas le passage, merci. Oh putain, t'as un masque trop stylé, poteau. Ne restez pas ici, c'est dangereux. Tu vois, mec, les moyens de la hanse, c'est un truc de ouf. Ils ont des scanners. Alors, l'épidémie ralentit? On dirait bien, mais examinons les faits. Qu'est-ce qu'on sait? Tout d'abord, les nouveaux échantillons présentent une monocytose aiguë. Exact. Échantillon 317 à 323, monocytose. Cela dit, on sait déjà que le virus vise spécifiquement les monocytes. Ça a toujours été le cas. Tous les échantillons précédents n'ont que des neutrophiles dénucléés. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. La souche devient moins virulente. Mais pas de conclusion hâtive. Examinons d'abord le reste. C'était pour distraire. Alors, vous avez pu isoler l'agent? Oui et non. C'est un virus de la souche Ebola. Mais il est inutile d'essayer de le cultiver. Il n'est pas virulent pour l'instant. Et sans la souche d'origine... Docteur, vous savez que je suis pas médecin. Soyez plus clair. Pardon, collègue. Lui, il disait qu'est-ce que le sexe. Ah, okay. Le premier jour, le taux de mortalité était... Parce qu'en gros, je faisais... Ce que je faisais, c'était nul à chier et que je préfère aller bosser et gagner un salaire. Rester mon cul vissé sur une chaise. Et ben. En soi, si ça te plaisait pas, ouais. Hein. Aujourd'hui, nous n'avons que deux nouveaux infectés et leur infection est légère. Les perspectives de guérison m'ont l'air bonnes. Comme vous le savez, Moscou n'a jamais été un habitat naturel pour ce virus. Dans sa forme sauvage, il demeure dangereux bien plus longtemps. Qu'est-ce que ça signifie alors? Ce n'est pas un virus ordinaire. C'est une souche militaire conçue pour être la plus létale possible sur une période très courte, avant de devenir inoffensive. Bon sang! D'où est-ce qu'elle vient? J'ai entendu parler d'une nouvelle génération d'armes biologiques basées sur ce virus et développées avant la guerre. Mais d'où est-ce qu'elles peuvent bien sortir après toutes ces années? Des armes biologiques. Mon Dieu. Je vais interroger quelques rangers au cas où. L'un d'entre eux nous a peut-être apporté cette surprise dans le métro. Eh merde, c'est de notre faute. Ah, petit rapport de l'épidémie, ça c'est bien. Eh mec, c'est complètement ouf, la Hanza. C'est des connards, c'est des gros fumiers. Mais ils sont complètement ouf. Popo, la slide, c'est le premier ou le deuxième dans la chronologie? C'est le deuxième. La chronologie, elle est... elle va... Passez donc. Restez pas planté là. Ta gueule. Loser. Ouais, en gros, l'ordre chronologique va avec l'ordre chronologique de la sortie des jeux. Hein. Donc 2033, Last Light, Exodus. Oh oh oh. Bon, vous avez vu, la Hanza, il rigole pas. Ou à moitié. Quoi que je peux couper l'électricité, tu sais. C'est qu'ici, c'est les quartiers désinfectés. Pourquoi il y a une sauvegarde? Où sont mes armes? Oh là là, c'est n'importe quoi. Allez, vous pouvez pas rester ici. Pourquoi? Moi aussi j'en ai. Enfin là je peux pas les mettre, mais pourquoi vous êtes là, monsieur? Expliquez-moi.
Le jeu respecte le livre ou pas du tout? En gros, 2033, mais en fait, non. C'est pas l'univers elle-même, si tu veux. Tartium, t'as tout le bordel. Mais c'est complètement différent. Tu sais, dans les livres, Artyom, il est courageux, mais il est pas forcément balèze en armes ou trucs comme ça. Il se démerde pas trop mal, mais. Enfin, il y a vraiment tout un aspect psychologique du jeu qui est vachement mis de côté. Artyom, je suis là. Alors que, franchement, dans les livres, t'es pas bien à chaque minute où il est dans un tunnel. Là, ça va, tu vois. Ça te met pas bien, mais bon, bref. Le jeu et les livres sont pas vraiment les mêmes. Mais genre, si tu veux suivre la chronologie, Metro 2033 et Metro 2033, le jeu, c'est la même chose. Ensuite, Metro 2034 n'existe pas dans la chronologie. Metro 2034, ça raconte l'histoire d'Hunter. Et Metro 2035, oui, suit la chronologie d'Exodus. Je suis vraiment ravi de savoir que tu vas bien, Artyom, et Kanna va bien aussi. On n'a pas de temps à perdre avec la maladie maintenant. Le sombre qu'on recherche est peut-être bien le dernier. On doit pas le perdre. Allons-y. Je préfère aussi un peu le livre, Ignaria. Vous en achèterez ici. Vous pouvez pas sortir. Comment je pourrais acheter quelque chose puisqu'on m'a pris tout ce que j'avais et que c'est si cher à Hansa? Pitié. Hansa vous a donné un abri. Reculez. Un abri. J'ai dit reculez. T'as vu son masque, il est cloué dans son crâne. Alors, ouais, l'ambiance du livre, elle est vraiment hyper lourde. C'est à propos de mon sac. Oui, Jay. Relisez la brochure ou écoutez les haut-parleurs, mon sang. Soit on l'a désinfecté, soit il a été détruit. Pourquoi il est gardé? Mais on m'a tout enlevé. Où est votre reçu? Quel reçu? Oui. Les réfugiés ont beaucoup de chance que les rangers de Tom Yolet étaient là. Et on vous a donné reçu. Les hommes de Corbut oui, ne s'attendaient pas à affronter. Alors, tout est encore là. Bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais? Ouais, l'ambiance du livre est carrément super lourde. Et la fin du livre, j'ai eu de la spoiler comme tout à l'heure, mais la fin du livre, mec, elle m'amène pas bien. Surtout, le chapitre bonus qu'ils ont fait, que Dimitri Kuziowski, donc l'auteur de Metro 2033, Dimitri Kakovski, je sais plus comment il s'appelle. La quarantaine n'est pas un jeu, vous comprenez bien. Il y a eu des morts. Les équipes médicales font de leur mieux. Les vôtres. Et puis dans le livre, genre sortir dehors, c'est que les stalkers qu'ils font, et les stalkers c'est limite une légende tellement il y en a peu, tu vois. Ou alors ils y vont pour chercher du bois ou des trucs comme ça. Mais genre c'est tellement. Genre déjà ils sortent de nuit, jamais de jour, puisqu'il y a des saloperies de bestioles insupportables de nuit. Par exemple, quand ils regardent le Kremlin, ils ont des hallucinations de ouf, à tel point qu'ils sont genre comme happés, leur regard est happé par là. Du coup, la fin du livre de 2033, ouais, la fin du livre de 2033, moi j'étais pas bien. Et ils ont rajouté, il y a un chapitre bonus à la fin où c'est Artyom pendant un chapitre qui parle de lui-même. Et le chapitre s'appelle. Comment s'appelle quoi? Le machin selon. Par ici, Ranger. L'apocalypse selon Artyom, en tout style, je sais pas. Par ici, Ranger. Faisons un. J'ai des couteaux de lancer pas chers. Salut. Moi aussi. Je vais te vendre ça. Oh, très bonnes balles, très puissantes. Elles sont très économiques. Très bien. Je m'en fous. C'est une réserve de choix, très économique. J'ai des grenades incendiaires, très bon traitement contre les ennemis. Ouais, non, je vais garder mes grenades, vu que comment je les utilise maintenant, personnaliser. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres? Viser laser, ça je m'en fous un peu. C'est un viseur comme ça que je veux en fait. Est-ce que j'ai une unité minée, viseur infrarouge? Non, ça je m'en fous en fait. Viseur optique d'avant-guerre, on visait plus facilement en moyenne portée, une unité, un champ de vision. Ouais, je vais prendre ça. Hop. Voilà. Pas trop dépensé. Super chapitre qui passe. Après, où Artyom a parlé des premières personnes où il fout tellement mal ce passage. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut que je le lise un jour. Neito, si tu veux, je l'ai en audio.
Il est sorti il y a un mois en audio, je l'avais préco. Donc si tu veux l'avoir en audio, tu me le dis, je te l'envoie par... parce que je comprends, lire ça me saoulait aussi un peu avant, mais ça me... les livres audio m'ont permis de me refaire kiffer les livres. Du coup je lis pas mal en ce moment, et quand j'ai pas le temps, j'essaie d'écouter des audios. Mais ouais, si tu veux, Deto, je le note, et après le stream, je t'envoie ça en MP. En d'autres temps, c'est 60 épisodes de 15 minutes, hein, poteau. Ce qui est arrivé aurait pu changer. Donc, faut avoir du temps. Bientôt, les chefs de Hansa, de la ligne rouge et du Reich se rencontreront à Konis pour trouver un accord sur D6. Okay. Mais je connais bien les hommes, Artyom. La guerre est aussi certaine que la nuit, à moins d'un miracle. Faut pas dire ça. Avant de dormir, un petit épisode. Moi, je l'ai fait d'une traite, ça m'a pris quelques jours quand même. Et ouais, l'ambiance. Est... En plus, c'est raconté par des doubleurs des jeux. On n'attrapera pas le train avec le sombre le long de ce tunnel. Mais il y a un autre passage. Oh, il est cool ce passage. Non, mais c'est bon. On quitte la station. Voici l'endroit. C'est bon. Merde, est-ce que vous allez à la police? Non. Ouvrez le tunnel interligne pour moi. Mais l'interligne est un cul-de-sac, et c'est très dangereux. Un cul-de-sac? Impossible. C'est la route de police. Ouvrez. Je crois que j'ai mis les balles... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non. Moi, je vais pas me la passer. Donc en plus, mais j'ai encore plus envie parce que je trouve que toutes les voix sont cool. Ouais, toutes les voix sont cool. Bah écoute, si on l'entend, je crois qu'on va l'entendre un moment. Ah, tu vois, c'est pas. Mais même, genre, c'est ce que disent les dirigeants. Khan, que tu vois là, c'est un gros malade en vrai. Enfin, dans le livre. Il a toujours ce côté un peu. Allez. Mystique, il dit que donc Khan, ça vient du descendant de Genghis, que c'est le dernier descendant de Genghis Khan, et que Metro 2033 et Metro 2034 sont super. J'ai pas encore attaqué Metro 2033, mais il existe aussi un roman, ouais, les romans de l'univers étendu que. Allez, comment il s'appelle B4 m'a conseillé tout à l'heure. Enfin, l'autre jour. N'en reviennent jamais. Je l'appelle la rivière du destin parce qu'elle peut changer la destinée. Ça va, elle nettoie la masse du passé et offre la chance d'un nouvel avenir. Ça va, quoi ces putains de trucs? Pourquoi il y a du sable? Si un homme entre dans la rivière en quête d'une chance et qu'il veut vraiment changer, il peut être transporté à l'endroit et au moment où on lui accorde cette chance. Non, police, c'est pas du tout la faction la plus puissante, mais enfin, ils ont des soldats et pas, ils sont beaucoup. Ils sont moins que genre c'est les autres, mais genre pour la taille, ils font 4 stations en une. Tu veux, c'est une grosse station. Le métro est une et chose qui police, ils ont de très bonnes armes et d'excellentes connaissances, ceux qui possèdent par exemple les livres, beaucoup des livres qui sont en dessous de la bibliothèque, c'est les plus cultivés. Ils ont les Spartiates qui sont l'organisme militaire de police, et c'est des putains de beaux gosses les Spartiates. Normalement dans le vrai univers ils sont divisés en deux factions, donc les soldats et les... c'est un nom indien, mais j'oublie hindou, mais j'oublie tout le temps les noms. Et ils ont un petit tatouage sur le côté, sur la tempe. Je crois que c'est un aigle à bicéphale quand c'est un militaire, et c'est comment ça s'appelle, un livre si c'est un... les brahmanes, voilà. Non, si c'est... oui, c'est les brahmanes. Oui, un petit livre sur la tempe si c'est un brahman. Il faut qu'on fasse attention. Et oui, donc il y a plein de phénomènes, mais bien plus psychés que ça dans. Ce lieu est abandonné.
Coucou aussi. Ça va ou quoi? Ça fait longtemps. Ouais, je le sens pas. C'est pas ici qu'il y aura un char qui va traverser? Je sais plus. Je vais tomber. Ah non. Attends, hein. Je vous parle pas trop. Tiens. Ça va pas voler celle-là. Oh, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, déjà, je vais te détendre, mais tout de suite. Le coup de couteau, il fait mal en fait. Tiens. Alors, c'est tout ce qu'on a? Ouais. Moi longtemps que la fois où j'étais mort, ça c'est bien volé. Du coup Neto le livre ouais il y en a un Saint-Pétersbourg. Enfin les deux ils sont à Saint-Pétersbourg, je me souviens plus. Putain je me galère avec mes touches. Oh ça c'est bon, une bande de munitions d'or. L'univers me plaît beaucoup, l'univers est très cool. Et j'espère qu'on en saura un petit peu plus dans le DLC de Sam, parce qu'il est vraiment cool. Mais je te conseille de dire que sur les jeux c'est une bonne base pour démarrer l'univers. Mais les livres sont un peu différents quand même. Faut, je vais être honnête. Alors par contre, l'étoile dernière. Essaie de brûler cette toile. Lâchez ce monsieur. Oh, c'est dégueulasse. Brûle cette toile, Arthur. Parfois. Il y a quelque chose derrière cette toile. C'est bizarre. C'est un signe. La grille est rouillée et mal attachée. Il y a les lumières et les ombres de Saint-Pétersbourg. Donne-moi un coup de main, Arthur. En France, ils ont fusionné les deux en un seul livre. Ah, ok. Deux. Continue à les brûler, Arthur. Le premier, j'ai commencé. Et à un moment, j'étais occupé à autre chose. Bah, ça arrive, hein. Regarde, de l'eau. Ah ouais, c'est carrément plus sombre. Pas qu'un peu, je trouve. Je croyais ça cool parce que tu sais, tu t'es plongé. Ah merde, une anomalie. Les ténèbres nous enveloppent. Il ne faut pas se perdre. Pas si vite. Et ne te laisse pas surprendre. Ah ouais, c'est bon. Le premier bouquin est très cool. Mais je te ferai l'audio. C'est un endroit bizarre. Pour le prix qui m'a coûté, je peux bien le faire partager aux potes. Parce que l'audio, les bouquins audibles, ils sont bien. C'est une bonne entreprise. Mais mon gars, tu peux décrocher. Enfin, les bouquins pas audibles, mais allez, comment dire ouais, c'est audible. Allô. Les anomalies, ben le principe de l'anomalie c'est qu'on sait pas ce que c'est les anomalies. C'est genre des boules d'électricité, c'est la rivière du comme... destin. Oui, mais pas si impressionnante du moins en surface. Il faut qu'on entre dans l'eau. D'ailleurs, pour la traduction FR, ils disent les noirs, ouais, au lieu des sombres. Et c'est complètement voulu scénaristiquement. Ah ouais, pourquoi? Parce que moi justement quand j'ai lu ça m'a choqué moi. N'aie pas peur.
On va se retrouver dans la tour. Pense au sombre et la rivière le mènera à toi. Oui. Pourquoi ils ont fait ça du coup? Parce que je sais que ils l'ont. Enfin moi ça m'a choqué quand je l'ai eu justement parce qu'ils disaient. Ah ouais mais mec si t'as pas suivi Métro 2033 c'est chaud. Attends. Ouais c'est stylé. Oh c'est moi. On est dans le 1. Oh c'est moi. Moi je peux sur la télé. Je suis stylé de ouf. Ah putain, j'étais décontracté en fait quand j'ai tout fait péter. Ça te dit quelque chose? Non. Voici la tour. Et en bas, c'est la ville des sombres. C'est le moment où tu as lancé les missiles. C'est toi. J'ai pas bougé. La rivière te nettoiera. Elle lavera tes péchés. Tu peux changer ton destin. Tu peux le faire. Choisis ton destin et sois libre. Hein? C'était chez eux. Il ne reste que de la poussière et des cendres. En gros, les sombres. Là, c'est un peu compliqué de parler parce que c'est un gros acte. Acte scénaristique. Arc scénaristique. Regarde. Le voilà. Le sombre. On le suit. Je me souviens plus très bien parce que c'est dans le chapitre des Reich, du Reich. Je me souviens plus. En gros, les sombres, ta station, la station où vient Artyom, le héros du livre et du jeu, s'appelle Vedenkh. C'est la station, en gros, une... Attends, c'est quoi? Hop. Hop. Ouais, très bien. Alors, revenons à l'intro. Petit cours d'histoire pour Netto. Papier, stylo, et hop. Le prof va parler, hop, je mets le prof là. J'avais oublié que j'avais mis cette image. Map, métro. Hop. Merci propos, propos. Un moment. Merci propos, trop swag. Alors, hop. Métro. Ouais, t'as vu, je le dis avec l'accent. 33, map. Alors. Très bien ça. Ouais, il y a trop de données dessus. Ouais, parce qu'il y a des cartes qui ont vraiment blindé de données. Bah, tiens, je vais utiliser celle-là. M'énerver. Hop. Ok. Comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle se. Ah oui. Steam User Mag. Voilà. Hop. Donc, Artyom vit ici, à Vedenkh. Voilà. Putain, la dégaine. Mais je t'emmerde, j'ai perdu du poids. Depuis. Tu étais jeune, non? Ben, en fait, j'ai pas trop changé, à part que j'ai maigri. Mais sinon, non. Perdu 20 kilos, 25 kilos depuis. La dégaine, je t'emmerde, c'était une super IRL. Oui, c'était une IRL. Alors, donc, là, nous avons la carte du métro moscovite. Tu as donc la ligne rouge, qui est une vraie ligne rouge dans la réalité, mais qui, là, est devenue communiste parce que, genre, voilà. Là, tu as police, les 4 stations, qui sont des stations assez puissantes, qui sont au centre du métro, qui gèrent un peu, essayent de régler un peu les soucis dans le métro, essayent que tout le monde... c'est une genre de faction qui... qui essaie de tempérer parce qu'il y a une guerre dans le métro entre la Hanse, donc la Hanse c'est eux en fait. C'est eux, c'est ça qu'ils disent Hansa, c'est tout le cercle qui entoure et il y a une guerre pour ces deux stations là, je crois. Ouais, pour ces deux stations là, parce que la ligne rouge n'était pas complète, ils voulaient la compléter et du coup ils ont fait une guerre entre la Hanse. Le problème c'est que la Hanse ils sont beaucoup, ils sont bien armés, ils ont des moyens et donc il y a. On voit pas ta souris. Ah. Vous voyez même pas ma souris. Pas besoin de gueuler, hein, Benoît, c'est casse-couille.
Attends, je vais faire avec ta photo. Ah bah merde, elle passe pas. Attends, hop. Alors, si vous voulez, vous avez la Hanza qui fait tout le tour. Voilà, attends, je vais y arriver. Voilà. Donc, Artyom, il est là. Il vit ici. Voilà. Ici, t'as la Hanza. Et là, t'as les lignes rouges. Voilà. Donc là, t'as police. Et là, t'as le troisième Reich. Le quatrième Reich, je sais plus. Le quatrième Reich. Qui eux sont les connards et en ce moment c'est la guerre entre les communistes et le Troisième Reich, mais c'est une guerre plus ou moins permanente, du coup ça compte pas. Et c'est la guerre qu'il y a eu dans le métro, ça a permis de réunir le cercle et niquer, de réduire un peu les intentions des communistes, parce que c'était des gros connards qui étaient sur le point de s'emparer du métro. Bref, c'était pas ça le sujet. Des taux, ils voulaient savoir qui c'est les zombies. Au début de notre histoire, donc c'est à Venden Cache ici. Donc Artyom il est là, il fait son thé, il est tranquille, on fait pas trop chier, tu vois. Il y a mon casque qui fait du bruit, ça saoule. On fait pas trop chier, bref, il est bien, tu vois. Alors il est au poste de garde et en fait depuis quelque temps il y a des apparitions de sons, enfin de noirs dans les livres. Et les sons, en gros, c'est des gros, des gars de 3 mètres, humanoïdes, tout noirs, gluants comme ça. Qui ne meurent pas quand on leur tire dessus. Mais genre, on vide plusieurs chargeurs, et c'est au bout genre de 3, ils le disent, 3 chargeurs de K-47 qui commencent à décéder. Et du coup, c'est une situation un peu grave, parce que en plus, dès qu'ils s'approchent d'une personne, on ne sait pas pourquoi au début, on le sait plus après, il devient complètement taré, en fait. On le sait à la fin, plus ou moins à la fin, on peut le déduire à la fin. Du coup, il demande de l'aide à police, enfin police est pas au courant, mais il y a un gars de police, un spartiate justement, qui est venu voir, ouais, qu'est-ce qui se passe, j'ai entendu dire que c'est la merde, Artyom, tu sais quelque chose, etc. Et c'est à ce moment-là que, genre, ils font un accord ensemble. En gros, ils font, donc c'est Hunter, le gars qui est venu, et il dit, ok, raconte-moi un secret, moi je te raconte le mien. Hunter dit ça à Artyom. Et Artyom raconte le secret que quand il était petit, il a été à la station juste après. Quand il était petit avec ses copains, il était à la station juste après. Et ils ont ouvert les rideaux de fer et ils sont partis dehors pour voir à quoi ça ressemblait. Et en fait, ils ont été, pas traumatisés, mais surpris par des chiens mutants. Et du coup, ils se sont cassés à VDNKH. Mais ils ont oublié, enfin le rideau de fer ne se referme plus. Du coup, on suppose que ça vient de là. Et en plus, Artyom, on suppose que c'est là qu'il a eu le premier contact avec les sombres. Et du coup, on peut se dire. Du coup, ça, c'est sa promesse. Et la promesse de l'autre, c'est que. Le mensonge de l'autre, enfin, la connerie, le secret de l'autre, c'est qu'il va aller voir là-bas. Et c'est qu'il n'a pas de nouvelles de lui dans les 24 heures. Artyom doit aller jusqu'à police. Seulement, il y a beaucoup de stations. Et dans la vraie vie, ça prend 10 minutes. Dans l'univers de métro, ça prend des semaines pour faire tout ça, parce que c'est la guerre, il y a des monstres, il y a des anomalies. À chaque fois que tu vois un triangle, c'est une anomalie ou un problème. Genre, ici, chimique, radioactif, mutant, enfin, je veux dire, anomalie psychique. Ici aussi, anomalie psychique, danger inconnu. Enfin, bref, et du coup, Artyom, il va arriver là, et ensuite il va descendre là. Et puis, il va aller là. Oh, là, il y a un problème. Il va aller là. Puis, il va aller là. Et hop, il se dit, ah, c'est fini. Eh ben non. Tac, il est envoyé ici. Il s'enfuit ici. D'ici, il arrive à se démerder. Bref, tac, 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 tac. Il remonte, tac, tac. Et ensuite, il arrive à la police. Bref, c'est le gros bordel. Et les tunnels, à eux seuls, sont des anomalies. Ouais, en gros, dans chaque tunnel, c'est des anomalies, etc. Il y a une grosse croyance qui dit que les gens sont pas morts. Et quand ils croisent Khan, qui est genre juste le gars qui nous accompagne là, j'ai plus de son, donc je vais devoir redémarrer le jeu. Merci, Neto. c'est un univers, enfin, c'est assez compliqué à expliquer, hein, mais je te jure, je t'enverrai l'audio. Et après, tu seras calé autant que moi. Oui, parce que je vais pas lire 2034, faut que je le lise.
Moi je dis, faut nettoyer tout ça au Karcher, mec, c'est tellement le bordel là-dedans, laisse tomber, mec. Genre, en plus, ça, je t'ai parlé que quelques factions, parce que t'as aussi les factions que tu peux voir. T'as les fachos, donc ça, j'en ai parlé, mais t'as aussi la cité des progrès, enfin non, la cité de la vérité, ou la cité, je sais pas comment elle s'appelle. T'as les pirates, t'as les trois factions bandits de la station, je sais plus quoi. T'as les stations fermières, les stations d'exploitation, les stations d'électricité, bref. C'est un bordel sans nom. Ouais, stalker, c'est pas ouf comme métier. Bah non. Parce que littéralement, leur boulot, c'est d'aller de sortir leur cul en haut. Pour en d'autres temps et d'autres lieux. Pour que dalle en fait, enfin, pour aller chercher du bois par exemple, tu des munitions. Plus loin, encore. Attends, tous les gars, ça c'est les mauvais. Okay. Ne t'arrête pas. Pense au sombre et la rivière l'amènera à toi. Vas-y. Et du coup. Et je t'explique pas la fin de Metro 33, tu le sauras bien. Même si t'as, avec la scène qui est juste ici, tu te doutes un peu de ce qui s'est passé. Mais je t'explique pas plus que ça, Deto. Je te conseille juste. Je sais pas si je vais là. Ça fait absolument rien. Ça te dit quelque chose? Un peu, mon neveu. Je connais la fin, t'es gâté pour pouvoir. Bah, en gros, tu fais tout péter. Voilà. Avec les missiles que t'as trouvé à D6, qui est une base militaire que vous avez trouvé avec les Spartiates. Mais il est beaucoup plus sombre le moment, genre. Ilinaria, je crois qu'il va savoir de quoi je parle. Le moment dans D6 où il y a l'abomination noire, l'abomination gluante. Et à ce moment-là, moi, il m'a pas mis bien. Où t'as le gamin qui meurt et tout. Il ne reste que de la poussière et des cendres. Et Zach, mec, laisse tomber. Je crois que c'était le moment où j'étais le moins bien. Où ils deviennent tous complètement fous. Regarde, le voilà. Chop! On le suit! Toi! Revenez! Police de Liège! Mais. Je l'ai, hein! On va te choper, mon guerrier! Personne. Un cul-de-sac. C'est là que t'as failli l'attraper. Tu dois réessayer, Artyom. Voilà, je suis un son de cul-de-sac. Il est toujours dans ce cirque de monstres. Dans le train. Mais j'ai le panneau, je t'ai dit. Suis-le, cours. Allez. Défoncé. Parce que j'ai fait poteau, mais. On l'a presque rattrapé! On le suit! Merde! Non, on le suit! Eh vas-y! Ça, c'est de la flotte en dessous. Ça brûle pas l'eau. Je vais aller le choper. Voilà, ouais, j'ai super rapide. Non. Où est-ce qu'on est, bordel de merde?
C'est pas vrai. La rivière a failli m'avoir cette fois. Ah. On est rentré pas. Ça refonctionne. On est de retour dans le désert de la réalité. Vache. On est sorti de la rivière. Ah ouais, et petite info pour toi, Neto, parce qu'on voit beaucoup de morts et tout ça, de fantômes. Nekan, dans le livre, par exemple, il dit. Et je crois dans le jeu, mais je suis pas aussi. Je suis pas sûr, mais je crois dans le jeu aussi. On dit que en fait. On pense que le. Attends. Trop tard. Mais le train va bientôt approcher. Il avait une clé. Il a une clé, lui. Voilà. Oh. Poste 13, répondez. Alerte maximum. Je répète, alerte maximum. Saboteur rouge repéré. Votre position risque une attaque. Le train d'évacuation serait leur cible principale. Allez, monte. Alerte maximum. Bim. L'évangile selon Artyom. Ceux qui ont une putain de malaise pendant 15 pages. Ouais. Et pareil, en audio, il est horrible ce passage. C'est. T'as envie de chialer, c'est tout. Je ne l'ai jamais cru. Et ce n'est pas surprenant, mais Khan disait vrai. Cette drôle de rivière m'a ramené dans le passé. Et du coup, ouais, donc dans le livre et dans le jeu, il parle de. Et puis, et comment ça s'appelle ? L'endroit où t'attends entre la mort et le. Et le paradis. Enfin, entre l'enfer et le paradis, le purgatoire, ouais. Et ben, le purgatoire, il n'existe plus, il a sauté avec les explosions. Et du coup, il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus de paradis. Du coup, les morts, ils restent ici. C'est pour ça qu'ils voulaient que je prenne un sniper. Ouh, merci. Merci Biscor, c'est un plaisir. Ça jamais. Voilà le porte. On attrape le train et tu sautes dessus. On peut pas l'arrêter autrement. C'est pas un bureau d'intérêt du purgatoire. Merde, les routes, ils nous ont pensés. Tiens bon, Artyom. On prend la balle de temps. Putain, je pars sur le pas là. Allez. Ok. Libère le sombre et arrête le train. Je vais essayer de suivre. Ok. Allez, allez. Oh, c'est chaud. Ça me donne envie de mater. Comment ça s'appelle Die Hard 3. La scène de. Il y a plus une scène dans le train dans Derrière 3 ? La scène dans les tunnels dans Derrière 3. Elle était cool cette scène, j'ai kiffé. Ouais. De ouf là. Et d'ailleurs, pas que Neto, hein, mais pour tous ceux qui veulent l'audio, vous me demandez en MP et je vous l'envoie, il n'y a aucun souci.
c'est une expérience complètement différente que de le lire, je trouve. C'est vu que c'est lu par quelqu'un d'autre, c'est lu par. C'est lu. C'est lu par quelqu'un d'autre, c'est assez différent. Il y a toujours ce côté imaginatif que tu essaies de faire. Le livre reste cool et la voix est hyper. L'audio est hyper bien fait, la voix est hyper cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me sautes? D'accord. Bon, bah, lui, il est... Au moment où il est dans le camion, il va être du. Ouais, celui-là. Franchement, il est cool. C'est chier. La Discord, tu me demandes en MP et je te l'enverrai parce que je sens que t'oublier. Donc, il faut me le rappeler. Putain, j'ai l'impression que ce soir va être une pure soirée et on fait oh yo, oh yo. Hein. Tiens, fils de pute. Je suis en train de fumer, mon gars. Ouais, j'ai rien dit. Ouais, j'ai rien, ouais. Ouais. Non, là, c'était moi. Là, c'est moi. Ouais, t'es où, là? J'aime pas ce que je prends comme munition. Ah. Je lis pas trop les gars, j'essaie de me concentrer. Comme vous voyez, ça marche. Un master shooter de ouf. Oui, oui. Voilà. Non, pas voilà. Vous allez me lâcher la grippe, la grappe. Aïe. Voilà. T'en relax, hein. Je suis tendu comme le stringing gros. Aïe, j'ai de nouvelles munitions pour ça. Non, ça c'est mes munitions spéciales, je veux les autres. Voilà. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. C'est tout? Bébé? Je suis impressionné. Oh! Mais non! Est-ce que ce serait ça? Oh yes, le fusil à pompe. Oh yes, je l'avais pas vu tout de suite. Eh. Je pensais que c'était une énième Kalashnikov. Et non. Ça y est, je suis immortel. Que coupé. Allez, ça c'est Artyom enfant. Salut. Ils ont l'air trop gentils. Petite référence au glacier qu'il y a dans le livre.
trop kawaii. Maman, maman. Artyom, bonne, Madame Artyom. Mon chéri, tu as tellement grandi. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur. Il n'y a rien à craindre maintenant. Ne pars pas, maman. Morale, faites toujours confiance dans la poêle. Seule maintenant. Tu n'es pas seul. Tu es le premier. On s'est souvenu de toi et on t'attendait. On a pu se rappeler toutes les pensées de notre race. Et tu as tué tout le monde. Maintenant, je suis seul. Tu n'es pas seul, tu es le premier. Oh non, il est cassé! Jogging, jogging. Je n'ai bien sûr pas pu le tuer. Et tant que je serai vivant et que mon cœur battra, je le protégerai. Khan dit qu'il pourra nous servir à stopper la guerre. Du coup, oui, il peut niquer sa mère ou pas seul. Mais je ne veux pas me servir de lui. Sa guerre a pris fin lorsque j'ai lancé des missiles sur sa maison. Sur sa famille. Mais les sons, ils sont pas des pouvoirs complètement craqués. Tu fous de ma gueule, ils lisent dans les pensées et tout. C'est, déjà, ça c'est craqué. Excuse-moi de te le dire. Ah non, je suis en train de le cuire. C'est vrai que j'étais en train de utiliser Z, je me suis dit, oh putain, c'est super bien fait. Mais non, en fait. Lumière. Tout autour. En bas. C'est dur. Respirer. Oh non, pas le pont. Difficile. Ah, ça, je m'en souviens par contre. Oh merde. Me laisser partir. Tu changes. Je serai là, dans la lumière. Mais je resterai près de toi. Nick, elle t'arrive à la fin, Nick, je suis désolé. Oh putain, le pont, je m'en souviens de sa race, la pute. Excusez-moi de mon langage. Oh là là. Allez, viens. Mais en fait, viens te la mettre. Bon, j'ai plus que les munitions de fusil à pompe en espérant qu'il m'en reste beaucoup. J'ai même pas un chargeur complet. Ouh, ça va être bien. Tiens. Non mais soyez honnête, il l'a cherché. Le gars que j'ai buté là. Hein? Hein? Ça c'est nos hélices. Ça se casse vite, c'est bien. Ah, j'en ai plus qu'un en fait de chargeur. Je vais t'aider à voir. Ouais. Tiens. 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 C'est pas une balle, les gars. Hein. Rien à péter. Ils comprennent pas pourquoi tu vois. Ils te craignent. Je suis à terreur de Bamako. Je suis fatigué. Fatigué, putain d'ado, toujours à pioncer. À écouter ton pop-up sur ta planche à roulettes. Toi et les autres, vous êtes forts. Tu peux tuer n'importe qui. Oui, il me laisse pas prendre ses munitions. Tiens, ça c'est joué. Toujours ok. On a quoi? Putain, quelques balles là. Ouh, ça va être vraiment temps d'action, gars. Oh putain, j'ai pas envie d'aller sur ce. Je viendrai avec toi. Tu connais une chose. J'en ai besoin. J'ai failli te mettre une grosse baloute dans la teuté, mec. Quelque chose. Oh là là,
Mais passe pas devant les gens armés comme ça. Complètement con ce gosse. Ça c'est con. Et cette scène. Tiens. Alors je disais que cette scène, par contre, elle me rappelle Batman, celui où ils arrivent à isoler Manhattan. Vous voyez ou pas? Enfin, Manhattan Arkham City. C'est la scène où ils butent les gens. Oui, je vois, ben voilà. La scène où les jugements sont rendus. Voilà. Beaucoup ont faim ici. Tu es leur nourriture. Oui, je les attends, les copains. Vous avez tous des vêtements. Moi aussi, je veux être comme toi. Et si tu veux, on passera chez Gobos, mais là, j'ai pas le temps, garçon. Oh la vache! Oh, combat de démon quoi. Enfin, avec un démon. Ou pas ça, il file beaucoup trop de soin. J'allais faire quoi en fait? J'aille où? Vous savez, faut que je vais, faut que j'aille là. Descends. Non. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Faut que tu le suives. Ouais, mais je sais plus où il allait. Yep. Ah, faut que je descende. Yep. Fichier. Suis Kirikou, ok. Bravo! Bravo, Biscord! Ouais, je fais quoi là? T'es oublié. Ah, bah voilà. Je suis con. Non, non, mais là, c'est moi. Là, c'est complètement moi. Je suis juste complètement con. Allez, viens! Ramène ta fesse! Je passe en mode commando, poteau, t'inquiète pas. Truc, j'aime bien. Tu vois l'ambiance oppressante là? Neve. Yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Ah! Ta gueule! Ta gueule! J'aime bien le truc. Ta gueule! Regarde! Mais. Je suis comme toi. Mais calme-toi! Avec des vêtements. Oh, il suit en plus! Vous l'avez remarqué le tir réflexe ou c'est passé plus ou moins inaperçu? Putain, les gars qui sont morts ici, c'est con hein! Vous étiez parti une minute plus tôt de chez vous, 5 minutes plus tôt de chez vous, vous rentriez entier à la maison. Enfin, à la maison, sous terre, mais. Il est habillé comme Yada! Je suis vraiment mort ou... Ah non, non, c'est ça. Attention. Attention.
Je m'en fous. Reviens. Reviens, gamin. Allez, je me galère. Tu peux aller sur le bateau. Brouille-toi, Artyom. 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 Tiens. 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 Résistance, c'est merde. Attends, j'arrive. Ils sont insupportables. Ouais. Je le disais. On va commencer par une petite olive. Allez, merde. Qu'on faut l'ancienne. Elle mourra avant moi. Ah bah non. Et c'est partout comme ça. En fait, le truc c'est qu'on sait pas trop. On sait que toute la Russie c'est la merde. Dans toute la Russie ça a été la merde. Et merde, de la peuple. Moscou est pas celle qui a pris le plus cher. Novosibirsk, par exemple, dans Exodus. Ils disent que c'est une bombe 12 fois plus puissante, je crois. Dans Exodus, ils disent. C'est une bombe de. Je crois que ça devait faire un effet style, mais c'était un peu nul. Je crois que ouais, c'est Novosibirsk qui a pris cher de ouf. Mais ouais, il y a plein de. Comment dire, de villes qui ont pris cher. Oh, il y a sur le pont. Attends! Ouais, il y a une guerre civile à Nouveau-Civis à cause d'un malentendu en plus. J'en ai parlé sur mes streams. D'un malentendu à la con en plus. C'est con parce qu'ils auraient pu réussir. Les USA et l'Europe ont mangé aussi. Bah voilà. Merci pour l'information, Rometou. Correspondant sur place, prévu la main. Tout de suite, maintenant, un match devant lui. La ville très grande. Pourquoi ton peuple est en bas maintenant? Pourquoi si peu nombreux? Dans ma vie, si je porte ces grosses lunettes, c'est pour faire joli, connard. Quelles que soient mes intentions envers lui, le petit sombre a l'air de s'en ficher. Il continue à me suivre comme si je ne l'avais jamais pourchassé. Tout en feu, mon cher Thierry. Comme si nous étions liés. J'adore dire « moi, je suis devant lui ». Pourquoi ton peuple il est pas habillé? Pourquoi t'es. Non, c'est la jeu. D'ailleurs, pourquoi t'es noir? Mais. Je pense que. Il faut partir. Ça pas passé. Oh non, ça va être le pont! J'ai pas envie de faire le pont! Tu vois rien? Moi je vois que dalle. Eh hey, frère, moi je vois rien! Je vois R! Je vois que la défaite devant mes yeux. Ça non. Éviter de les faire chier. Ah putain, merde, j'y vais. Eh les connards. Comment dire, on en avait plus ou moins rien à péter. Oui, c'est ça, pas mieux. Voilà. On fait déjà quelques munitions, ça. Comme vous pouvez le voir, la tempête, Serrar et Denis se sont rejoints. Le vent souffle très très fort ici sur l'île de Nantes. Des ailes rouges.
failli pas la voir, tiens. Petite clé. Oh la vache. Pourquoi il a eu le Cap 50 lui? Je suis fou là. Plein de calibre double, je suis trop content. Allez. Putain de guerre. Mais j'en me souviens, c'était le bordel le pont, je sais pas pourquoi. Regarde, il y en a plein. Mais non. Tiens. Cul. Un cul. Allez, ici toi. Oh, il gueule. Oh, il gueule. Oh, putain, t'es mort, il gueule. Aïe, aïe. T'es au cou, là. Tiens, Popo. Tiens, petite question. Tu connais PTRS-41? Alors, comme ça, non. C'est quoi? Par contre, c'est magique les effets. Moi, je trouve ça super stylé. Ouais. Et le jeu est pas tout jeune, et enfin, il commence à être un peu vieux. Et franchement, il vaut le coup. Fusil anti-char. Ah oui, c'est le gros machin qui tire qu'une seule fois. C'était, j'adorais jouer avec ça sur Rising Star Marvel Orchestra 2. Faudrait que je fasse une partie de Rising Star Marvel Orchestra 2. T'inquiète. Je sais pas s'il y a toujours les serveurs. Je crois que j'ai 500 heures dessus. 500 ou 600 heures. Je sais pas pourquoi le pont, pour moi, c'était la misère totale. Je me suis fourvoyé. Oh non, il y a ça, mais non. Il y a les gros et puis il y a les ondes sonores, monsieur. Ondes sonores. Vite parce qu'ils font mal. ...14,5 de calibre, putain. Par contre, ouais, j'ai pris un peu cher. Eux, c'est quasiment un chargeur pour les buter. Très bien. Et deux. Ça, je pense que j'ai encore un peu, tout petit peu, mais vraiment tout petit peu de marche à munition. Il file que des médocs. Oui, bugué. C'est con. Hein. Il y a le soleil qui arrive. Ah, ils font chier les ondes sonores. Il y en a deux là. Ils sont où? Attends, hein. Tiens, voilà. Il me reste pas grand chose en munitions, ouais, il me reste 5 balles. Enfin, et 10 à tout péter. Ah putain. Oh, ça fait du bien, même quand c'est un tout petit peu comme ça, ça fait du bien, putain. Lui là aussi. Médicament, lui surtout. 10 km de portée max, ouais, mais je pense qu'à 10 km, t'as plus de balles en fait, t'as plus d'explosifs, t'as plus de projectiles. Hein. Chargeur.
va y avoir un boss. Ça va être un démon du coup, le boss. Ah voilà pourquoi c'était la merde le boss, enfin le pont. Voilà pourquoi, ouais, c'est bon. C'est ma réponse. C'est vraiment la merde le pont. On est d'accord. On est d'accord. J'ai pas entendu. C'est une batterie d'artillerie, on est d'accord? Ah non, c'est une antenne. Merde, fais chier. Chier ça. You. Putain, je prends cher à cause des putains de Ransonneur. Ransonneur! C'est la merde. Je peux rien faire. Bon, si je peux faire. Voilà. Hop. Ouais. Oh merde. Ah non, ça va. Et ça va se péter, on est d'accord. On est d'accord. Et voilà. On va le déglinguer. Non, tu es obligé de me suivre. Ça a se pété juste avant. Je suis sûr. Je le sais, bah voilà. C'est con, j'y étais. Je vais le distraire. Il est grand, mais stupide. Ah, loser. C'est votre idée de con. Les ailes sont très rapides. Un peu comme moi en fait. Mais je travaille. Ah ouais. Allez, on y va. Bon là il me faut de la thune, là il faut des munitions. Oh. Enfin, intéressant ça, c'est ça. Oh bah voilà, j'ai bien fait de trouver la clé déjà. Bon, une balle de ça. De ça j'ai quoi. 4 balles. Je peux aller loin en fait. Ça va pas aider tant que ça. Bon, on va continuer. Continuer. Parfois je vois une porte. Quelqu'un t'appelle de là-bas. Pourquoi? J'en sais mec. Moi à la base je faisais des champignons. Hein. Un colère qui vient, ouais, on va faire une promesse. Non, je sais pas quoi. Rien compris, moi. Nous arrivons à Police. Ensemble. Advienne que pourra. Commence pas par la latte. Le petit ne voulait pas partir. Quelque chose le retient. Je ne sais pas encore quoi. Enfin, je suis content parce qu'il est utile. Bon. Je pense qu'on va se laisser ici et peut-être finir le jeu prochain stream. Hop, je vais vous remettre l'intro. Non, je vais vous mettre l'outro. Hop. Oh, y en a pas. C'est pas grave. Merci les gars. Attendez.
Ok, donc on va spammer mon MP, mais c'est bien, c'est bien. Vous voulez en tout cas le. Comment ça s'appelle?